Thank you.
Le fil info de la matinale de ce vendredi 22 mars 2024, chers amis, bonjour. 5 mois après son inauguration, à peine 5 mois après sa mise en service, les deux tours jumelles viennent d'être cédées par des investisseurs étrangers. Le groupe Hilton va prendre désormais les commandes des deux tours jumelles. 5 mois après. Donc, développement dans la matinale sur le retour à l'investissement de ce joyau tant vanté au Congo-Brazzaville, comme quoi on vous dit, on ne contrôle absolument plus rien. Nous allons essayer de développer ce dossier pour voir les dessous de la concession des deux tours jumelles à ce groupe Hilton. Alors, mon peuple périt par manque de connaissances. L'épisode 2 de Hugues Golondélé, le voleur démasqué, du côté de Matombi, les expropriés de Matombi, nous allons revenir en long et en large. Heureusement, au Congo-Brazzaville, il existe les imbéciles. Il y en a aussi, mais les personnes honnêtes existent. Les gens commencent à parler. Certaines personnes qui se sont vues leur nom sur la liste de ceux qui devaient être récompensés sont tellement surpris, étonnés de voir leur nom et les montants qui leur ont été attribués, comme quoi le comte de Courbevoie est toujours du côté de la raison. Aujourd'hui, nous allons revenir sur ce cas bien précis pour éduquer le peuple, pour donner encore plus d'explications, parce qu'apparemment, le message ne passe pas, on ne comprend pas. Betke Zonsbao, Betke Zabisba Nakilari, Betke Zonsbao, si je peux en Vili, je peux parler aussi en Lingala aujourd'hui et en Kikongo pour faire passer le message, parce qu'apparemment, le message n'a pas été compris, mon peuple périt par manque de connaissances. Développement de la matinale, place à la matinale. Les amis, bonjour, surtout merci pour votre fidélité. En tout cas, ça, il faut quand même le reconnaître. Merci pour votre fidélité. La fidélité pour la matinale, mon appel, vraiment merci. Recevez ma gratitude, vraiment. Merci à vous. Cette expérience, elle dure très longtemps. On l'attend. Les gens attendent le déclin. Au lieu de souhaiter même l'ascension, on va venir là le déclin, mais on n'arrête pas un fleuve. Fleuve, là, il y a un fleuve. Je suis désolé, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Voilà, merci les amis pour la fidélité. Merci à Ben Nyonso, Papa Ngamounou, Ibete Koutanak, Awa, parce que vous voyez, tous les jours, on est convaincu que nous sommes vraiment dans la raison. Betken a la raison. On n'a pas eu tort d'avoir vraiment ce que vous avez aujourd'hui sous les yeux, Imake Bouklak à la matina. Vous devez en être fiers, parce que tous ceux qui sont là, les matinaux, comme on vous appelle, les matinaux, c'est vraiment une grande fierté pour le Congo Brazzaville. Alors, les amis, Topé Salama Mabanga, oui. Topé Salama Banga, Topé Salama Banga. On ne va pas nous refuser quand même ce plaisir. Topé Salama Banga, va dire. Topé Salama Banga, Yatongo Yalilou. Hein? Nous sommes vendredi. Le vendredi, c'est un jour. Faut vendre à Nansai. Bête vendre à Nansai. Voilà. Faut vendre à Nansai. L'herbe de Kisalaka. Vendredi, Yaki jour à Beto. Jour à Beto, vendredi, c'est un jour de joie, les amis. Alors, les amis, c'est un réel plaisir. Alors, Koukou Georgette Portine, bonjour à toi. Missoundi, Guichel Nsouni, bonjour. Jacques Salombazi, Yandina, le fidèle et fidèle de la matinale. Il faut passer un bon. Yaya Franck, bonjour à toi. Yaya Makapash, bonjour à toi. Lini Bagana, bonjour à toi aussi. Bonjour à, bon, à Laure Kiozo, bonjour à toi. Bonjour les amis. Vraiment, son bon lingua, pèse à Binomboté. Il faut que Binomboko pèse à Wa. Libanga Yagou, oui, c'est Jean-Pierre Léco, bonjour à toi aussi. Goré Matimona reçoit le bonjour, mon cher ami. Il comprend lui-même pourquoi je rigole, parce que hier, il m'a surpris. Alors, Florent Kiyinou, bonjour à toi. Franck Anani, le bon. Montoya Londres, et pas Mbongo Ezali. Vieux Moma Lobi, Mbongo Ezali, na Londres, Kuna. Donc, désormais, il faut respecter Bankunte Vanen à côté à Londres. Léon sur le British, fameux autres, Mbongo, côté à Ben Kuna, na Londres, Kuna. Vieux Moma Lobi, que Mbongo Ezali, Kuna. Je vais vous montrer
exclusivité, une petite vidéo. Il y a vieux moment pour expliquer d'où viennent les investisseurs Mboki Kuna. Christian Souza, bonjour à toi. Rock le Prince, Gaël Bertrand, Ivuka, Christian Souza, Erwin Zosi, Julie Kael Mwanda. Recevez le bonjour du comte de Courbevoie. Patrick André, Serge Makaba, le maire de Confort-Saint-Honorine. Bonjour à toi. Alors, Pagne, n'est-ce pas ça? Floreliane, double M. Bonjour à toi aussi. Samir, bienvenue, mon courrier. Patrick Moutou, Bruno Mayala. Alors, Antoine Bayonne, Alison Kali, Stone, Dani Anoki Benga, Parfait Mingo. Alors, Maninga, Pierrette, Sadissé, Gaston, bienvenue. Ursule Reiss, Okwere, Parfait Mingo. Jules Del, Nkuka, Benyon Sunbenkou, Zwambotia, le camp de Courbevoie, Orkali Niam, Stanley Singou, Alvino Niama, Emar Band, Jean-Michel Gombi, bonjour à toi, Hugues César Tikaya, Patrick André, Serge Macabonadia, Serge Bayeda, Iben Nyonsona, Yvon Makaya, Kiki Bouki, Olivier Mwanga, Ben Kouzouan, Botia le camp de Courbevoie, Jean-Baptiste Biasalan Kombo, lui qui est le maire de Bordeaux, reçoit les salutations du comte de Courbevoie. Paul Bazoukoula, bonjour à toi, Martial Mobongo, bonjour à toi aussi, Baniga, Mbotia Ben Nyonsobaïna, Flavien Gimi, bonjour à toi aussi, vous voyez. Il y a quand même des perturbateurs. Lorsqu'on est en direct, ils appellent quand même. Ce n'est pas la sorcellerie, ça. Il y a quelqu'un qui aille. Voilà. Ça, c'est la sorcellerie. Comment quelqu'un en direct, tu vas appeler? Adrien Nzokolo, bonjour à toi aussi. Bonjour à Boubaro Barel. Bonjour Thivo Moudilou. Kouzouambota le comte. Jeffrey Mbaï, El Mpaka, Patrice Moulunda. Ben Kouzouambota le comte. Courbevoie. Salamounon Tarinkwa. Pascal Mavungu, Benyon Suna, Ben Kouzouan, Boté, le camp de Courbevoie. Rock Alidé, le duc de Madingo, reçoit le bonjour du camp de Courbevoie. Claudio Maïla, bonjour à toi aussi. Philippe Assompi, Yaya Nabisson, Boté, Nayo. Ah, Yaya Philippe Assompi. Pesa va conseil, na Moninga, Nayo. Yaya Philippe Assompi, Pesa conseil, na Moninga, Nayo. Il a commis mon colon d'Engo, Anna, Naba Ajouana, a changé T. Songi, Songi, à moi, la Mobali. Ah, Natanga Kumona Yawate. Pesa y conseil. C'est-à-dire qu'il y a une mauvaise presse, contrairement, puisque Makambotu et Zozongle, ma lamouté, Yaya Sompi. Moninga Nayo, Pesa y conseil. Songi Songia Ajouana, si on a plus de 60 ans, on se respecte, Yaya. Guy Samba, bonjour à toi, Liki Sirikibi, bonjour à toi, Mérimé, bonjour à toi. Déclos Bumba reçoit le bonjour du corps de Courbevoie. Landry Titimbo, le doyen, le gardien du temple, bonjour à toi aussi. Bonjour à Fefengoma. Yewana, président, et à la matinale, Motiangé. Isidore, bonjour à toi, c'est Patrice Mboro, bonjour. Adela, bonjour à toi. Alors, Ali Blaise, bonjour à toi. Gustave Le Grand Pinochet, Franck Da Silva, bonjour à toi. Jean-Claude Mapuka, bonjour à toi aussi. Alors, Arsène Bakana, Ben Nyonsuna, Hélène Moukoulou, oui, Moukoulou, Mezimane Gévé, Hélène Moukoulou, Jean-Raoul, MB, bonjour. Ah, le duc de Gomboma, Robert Célestin Mambouli, oh, il va pas être content aujourd'hui. Lui, l'homme de Gam City, les longues gammes situées à la toujours à l'honneur. Alors, Jackson Babingi, mon cher le duc de Gomboma, ce qui Gomboma, comme gamme située, je bon, un bon robot, yibakawana, yibakawana, bon, va congolais, beaucoup, bon, ça coûte. Alors, il est là, il faut ébimawa. Alors, Christian Kouansi, bonjour à toi, Basile, bonjour à toi, Baninga, Blood Blanc Blanc, bonjour à toi, si j'ai Justin Régis, bonjour à toi, Bataza Bawena, bonjour à vous aussi, Baninga. Alors, Mbotia Beno, Alma Don King, bonjour à toi aussi. Bonjour à Jean-Raoul MBSA, on a dit, Audrey Beau, Bataza, Mochangé, bienvenue. Olessa, bonjour à toi, c'est Marius Ngoma. Alors, Jean-Baptiste Lélo, bonjour à toi aussi. Baninga, Patrick Guélor, reçoit le bonjour du camp de Courbevoie. Koubé Maréné, bonjour à toi. Eddie Bin, bonjour à toi. Florent Kiyindou, bonjour à toi aussi. Didier Madonga, bonjour à toi. Bonjour, Avouela Pascal Mavungo. Amour Pondi, bonjour, Priva Marc, bonjour, Benyon Suena, Joséphine Bansima, Benyon Suena, vous en bottez le compte de Courbevoie, Baniga, vous en bottez. Liliane Zendolo reçoit aussi le bonjour. Guy Elvis Anicita, bonjour à toi, Ben vous en bottez. Benyon, Rostan Panterne, bonjour à Mamsouba Kozila. Donc, d'abord, on va comment on a été là. L'homme, on va comment on a été. Le nom, on va comment on a été. Papa Sucré Yampouya, bonjour à toi aussi. Zéphir Matunga, bonjour à toi. Abib Saboté, bonjour à toi. L'homme de Vungouta, bonjour. Rodney Boss, Didier Madonka, Francine Miakonda, bonjour. Bon, ben, l'ingwa, puis, à comment, on va citer comment on a été. Bino, va partager, qui était bon, l'ingwa, on va citer comment on a été. Si vous partagez pas, il n'y a pas de nom. Sur la monnaie partage, d'ailleurs, on a été la pire communauté. Honorine Okemi, bonjour à toi. Jean-Marie Ayamekwen Tromba. Gabriel Abako, bonjour à toi aussi. Guy Samba, Jack Diakouka, Ginkunku, bonjour à toi. Alors, Baniga, ce qu'on partage, c'était Kumbwari Bouya, avec les autres avis.
Hein, il faudrait partager pour qu'il appelle aussi. Christian Otouli, bonjour à toi, mon cher ami. Monsieur Bruno, bonjour à toi aussi. Kertus Wall, bonjour à toi. David Palmer, bonjour. Bonjour à Josémi Doubaki, Ben Yonsuna, Ben Kouzouan Boteya, le comte de Courbevoie, Clarisse Mouz, Botiangé aussi, va mettre Sengé Botekouna aussi. Alors, moi, au Kassi, mon béke, Wapiana Koutanke, mon béke, Kabola, Wifi, Pamba, Pamba, tout profiter. J'espère que l'élope, Adou Ganga, a tiqué les bus au courant pour que ma Congolais va t'en la quand même, émission y a l'élope. Mambou Kevan, Paké Boubiaï, de qu'éduquer le peuple, Ben Kézabissana, le peuple, Ben Kétala, Ben Kétala, la manipulation des masses. Manipulation à masse. Il faut savoir que Sakana n'a bête au Congolais. Ferdinand Passi Pamba Pamba reçoit aussi le bonjour du comte de Courbevoie. Et jeune d'estime Mana, bonjour à toi. Jerry Likibi, bonjour à toi. Bonjour Vaniga. Topessa Fabrice Maf reçoit le bonjour du comte de Courbevoie. Et jeune Yaya Yu, Mochangé aussi. Juste. Non, les cœurs là, Ben, Bena Hardi Mouk, bonjour à toi. Les cœurs, c'est là-bas. Rien à téléphone, Mini. Oh, Tinaga va bisou. Jean Boukoulou, Boukoulou, bonjour à toi aussi. Alors, Baninga, non. Qui est Guy Edgar Bokilo, laissez Guy Edgar Bokilo. Bon, tout le monde, c'est quand même. Christian Bayekola Milando, bonjour à vous aussi. Baninga, Annie-Claude Chitembo, bonjour à toi. Baudio, sur le Benouzambo, tu as le compte de Courbevoie, Baninga. Toi, Kenemba, toi, là, ma information est bénie, tu coupes Sabino, et des informations, les annonces. Alors, la régie, s'il vous plaît, jingle, Bete Banda, annonce, Kenabeto, les annonces, micrologie. Alors, les amis, nous allons partir du côté de la régie Betokwentala. Nous avons les annonces nécrologiques. Les annonces nécrologiques, il y a Boubiaï. Ils vont nous amener... Attendez, je vais me mettre à la page. Ça sera plus simple pour tout le monde. Pour tout le monde, ça sera plus simple. Attendez, je vais me mettre à la page. Ça sera plus simple. Ça me la bête au nion, soit. Ça sera plus simple. Donc, nous avons les annonces nécrologiques. Il y a Moukepe Sabeno. Il y a Boubiaï. Donc, nous allons commencer. Papa Ndi, il y a Tété, Betrisala. Il y a Mawaka Anissé. Bête qui est à la côté là. Régis, la régie m'a préparé Bête Wabimkuna pour que Bête est à la. Bête qui a commencé dans Mawaka Anissé. Il y a regret éternel. Alors Bête est à la. Si la régie est à la page. Voilà, la régie est déjà à la page. Bête qui est prêt à Beno. Pas information. Alors, regret éternel. Tes frères, enfants, petits-fils, neveux, amis et connaissances. Mawaka Anissé qui est né le 27 mars. 1957, décédé le 8 mars 2024 en France. Alors, il y a maintenant, vous savez ça, Lydie, Françoise, Guy, Elonve, Namayo, Lucie et Yvette Bolombo vous communiquent le programme des obsèques de M. Mawaka Anissé. D'alors, veillez le samedi 23 mars 2024 au 23, route du pont sur Rhône, 89 260, la chapelle sur Oreuse. Le mardi 26 mars 2024, à 11h, mise en bière et levée du corps à Gustave Roussy, au 114 rue Édouard Vaillant, 94 308, à Villejuif. Mercredi 27 mars 2024, départ de la dépouille pour Brazzaville. Merci pour votre compréhension. Votre présence est vivement souhaitée le 26 mars 2024 à Gustave Roussy. Il y a une information, il y a une information, le programme est à l'obsèque, il y a Pangabeto, Mbikabeto, Mawata, Anissé. Que la terre lui soit légère. Nous présentons aussi nos condoléances à la famille éprouvée et vraiment que nous avons réservé des places dans le royaume Ayatou. Alors, une fois qu'on a fini avec notre ami Inebi Kabeto Mawata, nous allons maintenant regarder du côté de la régie. Nous avons aussi le programme des obsèques de M. Alain Gabriel Louemba Yagabi. Donc, Betkwenta, là, dans la régie, si la régie elle est prête pour que Betkwenta l'abbé dans le programme Ina, Inba Pesabeto Yaboubiaï. Donc, programme relatif là-bas, obsèques, Yapangabeto Yaboubiaï. Monsieur Alain Gabriel Louemba, on va voir du côté de la régie. Bon, oui, la régie est déjà au point. Donc, il y a un programme Napessa Beno. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 22 mars 2024 à 12h. Mise en bière à la morgue municipale de Brazzaville. Recueillement dans la salle VIP de la morgue. 14h, départ pour l'aéroport Mayamaya. 17h, arrivée de la dépouille à Pointe-Noire par le vol régulier de Canadien. Dépôt à la morgue municipale de Pointe-Noire. Samedi 23 et dimanche 24 mars,
animation par les groupes tradis modernes et les chorales des chants religieux, le lundi 25 mars 2024 à 8h. Levée du corps à la morgue municipale, 9h30. Exposition du corps au domicile familial, 11h. Recueillement parents, amis et connaissances, 12h30. Départ pour l'église Saint-Pierre-Apôtre, 13h. Messe de recueillir, 14h30. Départ au cimetière familial de Mingo, 17h. Retour et fin de cérémonie. Alors, nous présentons aussi nos condoléances à la famille éprouvée. Kenzambi réserva des places de choix dans son royaume. Donc, nous avons fini avec notre ami Gabriel. En tout cas, le lundi, ça sera dernier jour à Yann dans le coin de Pékin pour qu'il puisse se reposer en paix. Là, maintenant, nous allons maintenant vous donner aussi le programme. Fabien Massi. Bon, peut-être que ça veut dire le programme de notre très cher frère Fabien Passy qui vient de nous quitter. Peut-être à côté, il y a la régie. Si la régie, elle est déjà prête pour que je vous donne le communiqué, les enfants Passy, mes filles, Apeto, peut-être venir à la régie, toutes tes photos pour qu'ils mettent à l'air. Voilà. Les amis, nous avons un communiqué concernant le décès de notre très cher frère Fabien Passy. Alors, communiqué, les enfants Passy et famille ont la profonde douleur d'annoncer le décès de leur père, oncle et frère Passy Fabien, ancien gestionnaire de l'hôpital de Makelekele et ancien gestionnaire des grandes endémies. Décès survenu ce mardi 19 mars 2024 à Brazzaville. La veillée mortuaire se trouve à son domicile 624 Terre Rinzimbu, quartier Kinsundi Barrage, non loin du terminus de Barrage. La suite du programme vous sera communiquée ultérieurement. Non, ça concerne notre frère Yann Mebik Betiaï, Fabien Passy. Donc, on vous précise bien que la veillée se trouve chez lui à la maison, là, dans sa maison, à sa maison, maison familiale, au 24 Terre Rinzibou, quartier Kinsundi, barrage, non loin à terminus à barrage, alors, Papangi, nous présentons nos condoléances à la famille éprouvée. Alors, Yabetne Manissa, Napangi Abeto, Yann Mebik Abeto, Fabien Passy. Nous avons encore d'autres annonces. Malheureusement, on a beaucoup de mauvaises nouvelles. Alors, Bapangamoun, Betepe Saben, ma nouvelle, il y a Mère Chef. Alors, Mère Chef, Beteta là, si, n'a côté à la régie, ben, mettez tout le béto, ben, information, il y a Mère Chef. Mère Chef, Betekunta là, pour que Betepe Saben, ben, information, il y a programme, il y a Mère Chef. Alors, nous allons voir du côté de la régie, le temps qu'il y a un Kalebabima, il y a tout le béto, Mère Chef. Alors, Maninga, ok, maintenant, programme à mère chef, la veuve Ali, née Mouanganga Françoise, née en 1937, décédée en 2024. Les familles, Unguya, Kumba Ntsaka, Kumba Ntsonga, Leib Kagaboka, Engobo, Okoko, Itia, Kumu, Ali Wanza, Ali Wanza et la fraternité Notre-Dame sans frontières, fraternité Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Programme des funérailles. Yabame Pesabeto, samedi 23 mars 2024, c'est-à-dire demain, 9h, levée de la dépouille à la morgue municipale de Brazzaville. 10h, exposition de la dépouille dans la salle VIP. 10h30. Départ pour un recueillement au domicile familial au 39 Riba Congo à Potopoto, secteur Mpaka, avenue de la Paix. 12h. Départ pour la basilique Sainte-Anne pour une messe. 14h. Inhumation du corps au cimetière du centre-ville. 16h. Fin de la cérémonie. La famille vous remercie pour votre soutien et votre présence. Donc, il y a le programme Betmepesa, il y a Mère Chef Abeto, il y a Mebik Abeto. Donc, il y a le programme. Au Salamo Mokolo, samedi 23 mars 2024, pour nous accompagner Maman Abisso et Atik Bisso, la veuve Ali. Alors, Devetke Mansana, Maman Beto, veuve Ali, on va aller pour vous donner les informations qui concernent la mémoire de notre très cher frère Freddy Jacques Matonda. Donc, chéri Jacques Matonda, ni Abet Nakupesa, Beno, programme Yang Yaboubiya aussi. Niboubia aussi va accompagner dans sa dernière demeure. Alors, Bete Tan à côté à la régie, c'est la régie qui est déjà prête pour que Bete amorce nos pressions. Bah, information, il y a Jacques Matonda Bikindou, lui qui est né le 4 mai 1974 à Pointe-Noire, Congo, décédé à Créteil le 7 mars 2024 à l'âge de 49 ans, domicilié à Gagne. Bon, vraiment, c'est vrai, c'est vraiment une perte.
lorsque j'entends les gens partir à ces âges-là, ça fait mal. Alors, les amis, programme des funérailles de Jacques Freddy Matonda Bikunu. Cérémonie religieuse le vendredi 22 mars 2024 à 14h, paroisse Saint-Germain. 12 rue du Général Leclerc à Gagny. Inhumation, ça se fera aujourd'hui aussi, le 22 mars 2024 à 15h15 au cimetière de l'Est, 3 chemin des Abbesses, Gagny. Donc, il y a un programme, Freddy Jacques Matonda qui nous a quittés à l'âge de 49 ans. Bon, c'est très jeune. En tout cas, je peux vous dire que c'est très jeune. Alors, Betne Manisana Yandi, Betke Kouenda, parce que je vous ai dit, on avait des informations, Là, je suis obligé d'aller prendre mon téléphone pour que vous puissiez saber, donnez-moi 2 secondes, parce que c'est comme c'est écrit, qui est trop fioti. Comme d'habitude. On devient vieux aussi. Il faut reconnaître, lorsqu'on est vieux, on est vieux. Voilà, c'est pas comme chez vous là au Congo, là, les gens qui sont vieux, ils ne veulent pas reconnaître qu'ils sont vieux. Pas les vieux. Pas les vieux, coucou là. Bon. Les amis, nous allons donner maintenant le programme. Il y a notre frère, papa, Ntsele Mouzo Clément. Donc, vous savez, nos programmes à dérouler à la funéraille à Yandi. Donc, je suppose qu'au niveau de la régie, il est déjà à la page. Très, très opérationnel du côté de la régie. Donc, déroulé des funérailles de M. Clément Ntsele Mouzo. Vendredi, Nibouguyaï, 22 mars 2023, 18h, messe à la paroisse Saint-Pie-X, commune de Ngiringir. 20h, veillée de prière à la salle FCM des Érudits, avenue Kimgamboa, numéro 12, direction Asusa, commune de Ngiringir. 20h, animation religieuse, orchestre de la paroisse Saint-Pie-X, plus Banambila. 21h, chapelet animé par la CEVP, Mosaleli Wanzambe. 22h, biographie de papa Clément Sélé Mouzo. Et après, il y aura les témoignages. À 23h30, musique traditionnelle. Après la musique traditionnelle, vers 3h30, il y aura une animation religieuse. Pour la journée de demain, samedi 23 mars 2023, à partir de 6h, il y aura une messe d'office du matin à la paroisse Saint-Pie-X, commune de Ngiringir. 7h, départ pour la morgue cinquantenaire. 8h, levée du corps à la morgue cinquantenaire, plus départ pour la cathédrale Notre-Dame du Congo. 8h30, recueillement à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Intermède musical, témoignage, dépôt des gerbes des fleurs, biographie de papa Clément Sélé Mouzo. 10h, mise en place pour la messe. 10h30, début de la messe des funérailles. 12h, départ pour le cimetière Nécropole 1. Après le retour du cimetière, un verre d'amitié sera partagé dans la salle FCM des Érudits, avenue Kingangwa, numéro 12, direction Asusa, commune de Ngiringir. Alors, cordial, bienvenue à tous. Il y a un programme, il y a Pangabeto, Papa Abeto, Mbikabeto, Papa Ntsele Mouzo Clément. Alors, nous avons une information que nous allons vous donner. Nous allons donner une information, nous n'avons pas beaucoup plus de précision parce que, bon, vous savez bien qu'il y a des figures emblématiques au Congo-Brazzaville. Nous avons appris hier avec tristesse le décès de M. Myambanzila, un homme d'affaires congolais qui est décédé hier du côté de Rouen, Yandi Nayan Mibikabeto. Donc, nous n'avons pas encore tout le programme, mais dans les jours à venir, BTP savait nous dérouler un programme à Yandi si les parents souhaitent, Baloutissa, communiquer à Baou, dans la matinale. Bon, ça, c'est parce que c'est un homme d'affaires, et on va dire que, Monsieur Mambanzila, Yandi Mibikabeto, il était connu sous le nom, on peut se mettre comme Yandi, peut-être, ça serait pas mal. Je vais vous donner son nom, son vrai nom, je suppose, hein. Comme Yandi. Monsieur Nestor Bawanda. Monsieur Nestor Bawanda, connu sous le nom de Myambanzila, les sociétés Myambanzila, c'était un grand homme d'affaires, Yandina Yanebikabi. Alors, nous avons fini avec les nouvelles nécrologiques. Hein, je pense qu'on a fini avec les nouvelles nécrologiques. Il y a quand même d'autres nouvelles qui peuvent être agréables. Bon, on n'a pas d'anniversaire aujourd'hui, mais bon, Bitcoin One Shutter. Bitcoin One Shutter, aujourd'hui, il n'y a personne qui est né. Le 22 mars, il n'y a personne. Vous trouvez Boutoukaka, malheureusement, c'est le jour où le cardinal Émile Miaïda nous a quittés. Malheureusement, à lui aussi, maintenant pour présenter que la condoléance de la famille Andélé, la famille de l'Église catholique. L'Église catholique, j'espère qu'on va organiser moi ma messe Kuna, en mémoire, Yayant. Le cardinal Émile Miaïda décédé le 22 mars 2000, 1977. Ah, tiens, admis. Alors, one shutter, le dernier délai, Ben Kenaya Awa, date limite à la dépôt à Ben Panga Mouniaké le 25.
le 25 mars, déposer date limite des dépôts, et le 29 mars, ne soyez pas négligent, parce que lorsque vous êtes négligent, l'air va qu'elle s'avise, je vais colimer j'aurais dû. Mais là, c'est le moment, au lieu de dire j'aurais dû, si vous avez des trucs, envoyez ça maintenant, vous appelez le numéro de téléphone, c'est le 06 23 61 87 44. Alors, Yali, ni côté, il y a papa Marcel. Alors, nous avons aussi Paris-Colis Express. Ça, c'est la voie maritime. Mettez-vous maintenant, il y a un avion, par avion, nous avons, mettez-vous côté à Régie, tout le bête, il y a par avion, il y a la Paris-Colis Express. Ça, c'est le maritime. Papa Marcel, il y a un bateau, 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 Bon, maintenant, les petits colis de tous les jours, Aminga. Donc, c'est Paris Colis Express. Je vous signale que hier, l'enlèvement a été fait. Donc, le week-end, ceux qui sont du côté Brazzaville vont récupérer déjà leurs trucs. Ceux qui ont déposé leurs trucs. C'est très rapide. Donc, il faut profiter parfois. Dans la joie que moi, saucisson, penatikuna. Ça peut toujours soulager. Au titre, les lois lobby et commis, bien bon. En tout cas, au plus tard, lundi, il y aura les gens seront en possession de leur. Colis. Donc, Paris, colis, express, aérien. Donc, n'attendez pas le dernier jour. Envoyez déjà vos trucs. Venez déposer vos trucs. Appelez par ce numéro de téléphone. Le 06 67 95 20 66. Bateau orienté, Beno. Paquet PSB, Noa. Faut se prendre ça à coup de déposer ma colère. Ah, bon, comment regretter? Ah oui, c'est qui? Ah, mais ça dit, non, et l'homme n'a pas quoi. Non, ok, mais je vous l'avais dit, il fallait faire vite. Donc, là, les trucs sont déjà, je crois, au niveau là, il est quelle heure? Là, nous sommes que. Et les formalités, va pour ça pour que bah on a cargo, il y a que point déjà dans Air France. Alors donc c'est tous les jours pas Air France, mais là Express c'est 25 € le kilo, hebdomadaire c'est 10 € le kilo. Ça dit que donc tout le long là vous pouvez venir déposer, n'attendez pas le dernier jour parce qu'il faut qu'il y ait une organisation. Et donc ceux qui ont des trucs, envoyez vos trucs, que ça soit la lettre, des courriers, pas plein de trucs. On est surpris de voir les choses. Bah il va commander que fait ça là, voilà. Et en tout cas il y avait le besoin. Alors Bête tout la bête, jingle bête la émission à bête boubia, maman qui paquet bête son boubia. Bien demandé bête bête jingle, parce que bête banda émission à bête. En attendant que la Richie se retrouve. Alors, les amis, vous savez bien que moi, le vendredi, c'est mon meilleur jour. J'adore ce jour. Ce jour de vendredi, j'aime bien cette journée. Après, vous allez me dire, je suis en train de faire la publicité de l'eau. Puis, prenons de l'eau avec nous. Même bien que nous, bien, il va m'augmenter ma tarif, n'importe quoi. Voilà. Vous allez encore me dire que nous, c'est la publicité. Alors, j'aime bien la journée du vendredi. Pourquoi j'aime la journée du vendredi? Parce que la journée du vendredi, il y a quelque chose qui est présent à Météo et la bourse, mettez-vous à la semaine préparée, mettez-vous à la combien de l'ouvrir, mettez-vous à la bourse, mettez-vous à la bourse, mettez-vous à la bourse, mettez-vous à la bourse. Ah, quand les... Baninga, n'a pas dit que je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps, je ne sais pas le rapport que l'homme a avec l'argent. Le rapport que nous avons avec l'argent, nous devons éduquer le peuple. Mais il y a des gens qui ont vécu sans argent, qui sont riches dans leur corps, pas qu'ils bien en paix. C'est parce que peut-être les gens, voilà. Bon, la météo. La météo de la bourse, aujourd'hui, la météo, le pétrole, Betken, à côté de ça, à côté, à Londres, à $85.21. Wana Mbongo, Tozo, Tekaka, pétrole, Nabiso, Bambongo, Anganezo, Kota, nous sommes au-dessus des prévisions, il y a le gouvernement, mais Relika, il y a le reste, il y a vraiment Idovik, Ngacho, ça, Kanango, Nini, ma Wabiso. Ça dit que je ne sais pas à quelle occasion vous allez donner de l'argent au Congo. Bon, ça, là, le conseil des ministres, peut s'arrêter sur mon côté. Mais bon, faites ce que vous voulez. Faites de ce pays ce que vous voulez. Il y a que des membres. Membres qui élevés. Ben, ça, là. Mais, il y a des gens même Mobutu qui s'appelait CCC, quoi, Koufa. Mobutu, pas Koufa. Il est sous terre. Par contre, on a bien gagné de faim. Mobutu. Kadhafi, on l'appelle de faim. On ne vous souhaite pas la mort, mais il y a lié le chemin par lequel tout le monde est appelé. Surtout, hein, chacun son tour. Donc, ben, ma ben, na, vous salak, ben, a pensé que ben, que ben, même quand il y a pas poste, ben, qu'il y a, qu'il faut mouina. Vous croyez que vous allez rester là éternel. Même Denis Sassou Nguesso qui croit qu'il va rester éternel. Au moins, même à l'homme, il y a un avant, il y a à vivre. Mouninga, moussou, soit président, à zombo, na, mouni, en gros, à vivre en gros. Voilà. Donc, vous croyez que vous êtes éternel, bon, vandawana,
Bokanisate Mboka Nerenbe Bino. Bisotorobo sa la binoté. On va pas oublier comment vous avez ruiné ce pays. Mambo Bemessa la Boaliaï. Parce que Bisotoro Manaka bon réseau Kotakato Manakata Bisengote. L'argent, c'est-à-dire que le rapport que l'homme, surtout peut-être l'Africain, bon, en tout cas, Bantu Nyon Soma Zurumbo, même nous aussi Mouzurumbo, sommes Motalobi à l'Ingimbongote à Kosi, Yanokuta. Nous tous, nous aimons l'argent, mais il ne faudrait pas qu'on soit esclaves Yambongo. Parce que, en fait, l'argent, c'est comme le Landa, on a dit, il y a ma baie, le bateau, il y a un bon dirigeant qui est mis sur le Kosu Yambongo, il y a un bon mort. C'est-à-dire que c'est une maladie, je pense, il y a un bon mort. Ils imaginent que non seulement sur Yambongo, on était au Koufa, au Koufa, il y a un Ningana, il y a un Sabino. Parce qu'il y a des gens qui sont nés, bah, quand tu n'as pas ta mokote, bah, vivre, bah, colis, bah, quelle école, bah, ça, l'école paye bien. Babimi pe ma cadre en boka oyo. Oyo bino bozali kuna bazali e bele kuna. Ils sont partis de rien. Et jusqu'aujourd'hui, ils vivent bien. Donc, expérience, on a ba yebi yango. Bazalaka ba pauvre, ba komba riche, ba kompe ba pauvre, ba kuzongi li son koba riche. Donc, ça, il faut pas que bino le moumona kaba mbongwana, vous vous accaparez avec l'argent, bo kansati mbongo, et ali eko regle ma kamounion sotu. Et puis, abino dit, bon, ça vous donne le pouvoir, oui, certes. Et puis, abino une certaine influence, oui, certes. Et après. Il faut d'abord expérimenter ça, avoir le pouvoir, avoir l'argent. Vous allez expérimenter et à la fin, vous allez dire que tout est vanité, Baninga. Et qu'on est carango, il y a que doutaka, il y a où, il y a que vous salagé. C'est comme ça, mon gars, j'aurai toujours au Pessa Beno, toujours ma anecdote. Ma anecdote, mon gars, Pessa Yao, c'est pour édifier le peuple. Pas trop, je découvre, je parle de lui, je ne connais pas, pas de lui. Il y a que rêve. Tout le monde a eu le rêve d'avoir la plus belle femme. Tout le monde a eu le rêve d'avoir la plus belle voiture. Tout le monde a eu le rêve, lorsque nous étions jeunes, d'avoir la plus belle maison. Qui n'a pas eu ce rêve? Et je vois bien ces jeunes qui sont en train de rêver au Congo-Brazzaville, la jeunesse, en voyant comment ces politiques sont en train de jouer avec l'argent tous les jours, des maisons à étages. Ceux qui sont au Congo, là, vous les mettez tous les jours dans les commentaires, qu'il y a la crise, il y a la galère, mais les maisons d'étage, il y a que toujours. Donc, il y a des jeunes. Et lorsqu'il y a un jeune, une fille de 15 ans, azo kene ke l'école, elle est au lycée à 15 ans. Voilà, 15 ans à la lycée. Azo monaka, moninga naye, moi c'est 18 ans, azo tambola kana voiture 4x4 de 80 millions, mais de 100 millions. Mais c'est un rêve. C'est un rêve. Et se dit que bon, oui, donc c'est possible. Mais il y a yémité, mais il y a rêve. Azo monaka katino, ah, donc à sali l'école, ma kasi, azo monsala bien, à soubi voiture, il y a 80 millions à compte à 4x4. 18 ans, 20 ans, vous les voyez là, en train de rouler avec. Mais c'est le rêve que puis surtout aux Alakana, au rêve, au Vandi, au imaginer, mais encore, il faut maintenant jouer à la plus belle femme au monde. Vous savez, lorsque j'étais enfant, ça dit que l'air, maman a bota kingaï, dans Alakana, ma coutu, les kaka motu. Ça dit, j'avais des grosses oreilles. Dans ce cas, des grosses oreilles. Ça dit, au fur et à mesure, tu grandis, donc après, donc, ça dit que ma coutu, les Alakana, mon nez n'est pas à part, on a motu. Et au fur et à mesure, tu sais, lorsque tu grandis, ma coutu peso, ma ta, mon tout peso, eso vima. Mais malheureusement, bon, heureusement pour moi, mon tout l'air est mati et ça le moi équilibre. Mais si vous voyez bien que les oreilles sont plus ou moins écartées, parce que je suis pas mis, ma teuille n'a pas où ils allaient, oui, bon, c'est pas bien parce que sinon tu n'entends rien. Bon, bref. En tout cas, Nazaki Ningwana. Et je, bah, va vous provoquer un gars. On est qu'un suite, un gars dans les corps, enfin, à ta la matoye, le cola au pango. Je sais pas si au pango avait des grosses oreilles. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on m'appelait. On m'appelait au pango avec les grosses oreilles. C'est comme ça qu'on m'appelait. Je vous raconte ces scènes-là, c'est parce que aujourd'hui, je m'apprécie. Je m'apprécie. C'est souvent lorsque tu étais pauvre, comme il riche, comme on doit dire, ah, t'as mon azalaka pauvre. Sauf qu'on a pauvre. On a toujours pauvre pour avoir ça, témoignage à pauvre, on est à l'y passer. Donc, comprenez-moi. Donc, bah, va au fin, en dégoana. Oh, pango, pango. Donc, à la maison, j'avais des aînés, les neveux de papa qui étaient à la maison, tout va pour cela, j'étais encadré par ces gens-là. Vraiment, bah, monsieur Soubassi va couffer, puis me perd leur âme. Mais, bango, on a, bah, va qui qu'on encadre, on a, va qu'on le vangaï. Oh, moi, c'est pas un problème, vous moquez de mes oreilles. Mais moi, lorsque les oreilles, là, nakolata chapeau, j'aurais un masque, puisque je voyais les gens rouler en moto, là, nakolata masque, l'air nako. Donc, moi, sinon, comment on a ma tue, t'y a, comment on a jamais ma tue, nanga, puisque je m'appréciais pas avec mes oreilles. À comment on a ma tue, nanga, t'y a, pour ça, la nignoté. Donc, moi, j'avais ce complexe-là. Mais au fur et à mesure, j'ai grandi, j'ai vu que, là, qu'on a mis surtout, et le rôle. Mais c'était le rêve que j'avais. Et donc, on me disait toujours, mais comment tu vas faire pour dormir avec ta femme au lit? Je disais, je dormirai avec mon chapeau. Elle ne verra jamais mes oreilles. Voilà, nara qui jeûne. Tu voyais bien, c'est le rêve, on imagine certaines choses. Sauf que dans la réalité, mamre vanda fosomo CV. Donc, tu arrives en France, j'arrive en France, ici, là, comme n'importe où, n'a pas mon voiture, qu'on est tout ça, là, il n'y a pas de voiture, n'a la lumière, la vie, n'a il faut la somba, la dernière voiture qui puisse exister, ou n'a qu'à chez elle, même ceux qui télévisionnent, ça, n'a qu'à voiture, il faut la somba, voilà, rêve.
Tu imagines les gens rouler avec ces voitures-là, tu te dis vraiment qu'il y a des animaux. Na sala tout, na pas qu'on sala, na joie crédit, na somma voiture, il y a bien. Tout na kache. J'ai conduit peut-être pendant un an et fatigué, na lemba, on a kamata na tika, na somma voiture, na gaya simple, et a quand même pas cuir, na pas qu'on, et j'étais à l'aise. C'est-à-dire, c'est pour cela, le rêve que vous imaginez, lorsque vous enviez les gens, allez tester. Ceux qui vont tester, en gros, après vous allez voir vous-même que non, ça ne valait peut-être pas la peine. Donc, quand il y a tant de temps, il y a pas de temps, quand même, le crédit avant en front, c'est fait à l'époque. J'avais pris un crédit, le crédit en question, qu'on sort la voiture pour la nuit, pour me faire plaisir. Parce que c'était un rêve. Il fallait que je vive ce rêve-là. Et j'ai vécu ça. Ça a pris peut-être un an, deux ans. Pas que j'ai abandonné, bon, j'ai donné, et que toi, mon vali, Nataya, ou mon connaît sur mon voiture, mon akaka, ou parler tamboula, sans problème. Et je me souviens, mon gardien me disait, mais tu es le seul noir qui donne une belle voiture à sa femme et que toi, tu préfères prendre une autre voiture. Mais c'est ça, c'est le rêve. Lorsqu'on imagine certaines choses. Et mais c'est ce rêve-là qui nous détruit aussi au Congo, Brazzaville. C'est une jeunesse. Par contre, nous sommes biloko pamba pamba. Par contre, quand tu as même ma secte, biloko ponanine, parce que pour la caca rêve, ma moni batwa, comme il y a un dabago. Par contre, on a attention, ça ne sert à rien. Vous allez essayer. Ceux qui ont essayé, ceux-là, le témoignage que je donne là, ceux qui ont essayé là, par contre, le vaca, il y a solo, papa, Brice, mamgré, la zozani, fosoyina, mouno soubana rêve, ake, ben, bah, moi, par contre, t'es quand même au lit, mon abarou. Tu m'as encore le bazo regretté. Bisson, abino, les amis, vous devez être fiers. Tout là, la pongina, bisson, bah, on va là, la même pongité. Vous avez été négatif, bah, ça, la caté. Tout y'a évité, bah, là, la pongité. Quand elle est en attente, bah, on va voir, voiture, aminéne, on va comme néke vie, ben, l'anda, yina, vé, mbongo, ça se travaille. C'est pour cela qu'on demande au gouvernement de la République de mettre les mécanismes de telle sorte que Mbongo va dans la Congo. Ayant créé ma milliardaire, ayant créé ma usine, ma jeune sala, au moins les jeunes vont travailler. Ici, là, vous savez, je vais vous dire, par exemple, lorsque vous parlez de la formation, mais ici, on n'en parle même pas. On n'en parle pas, les amis. Moi, je travaille avec les blancs. N'a pas mindéli. Aucun blanc depuis mon vendaka, on en poutoua, ouah. Et avec Zosi, mon bois formationné. Vous pouvez voir formationnerie, kaka na kisan. Eh, na télévision. Na kisan, ou kote mouke salaka. Dieu seul, c'est le nom d'entreprise, mou me sal, ah ouah. Mouke ouah, mais ouah, jamais moutoué Zosi au franc-maçon. On ne parle même pas de ça ici. Mais au Congo, c'est devenu un sujet. Tout le monde, tu vois les entreprises, même ceux qui ont dit, moi, Ascension, on a commis formation. Oh, ça. Ça dit que tout tourne autour de ça. Je ne sais pas pourquoi. Il y a plusieurs fois même Ikindo qui m'aime. Ah ouais, il est élevé. Parce que les gens travaillent. Tu vois un chef d'entreprise, à Sali, à Zut Crédit, à Salmosala, à embaucher bateau, à commencer à s'appeler bateau, Bisso Tosora Bangwana, Tosungaba Famille, Nabisso. Mais c'est comme ça. La société vit comme ça. La société ne doit pas être calquée seulement sur les cercles bizarres ou la formationnerie, Nabino. Aujourd'hui, tout le monde pense que non, pour avoir une ascension sociale, il faut être franc-maçon, ou bien rentrer dans des cercles bizarres, je ne sais pas comment, ou bien aller se sacrifier pour ça. Non! On peut avoir une ascension sociale dans le travail. Dans le travail. Et c'est dans le travail. Pour qu'il y ait le travail, il faudrait qu'il y ait les conditions de vie. Il y a tout là. Dans le Congo, pour que tout ça là. Pour que Batoubas soit en bon. Batoubas soit riche. Mais si, il y en a les formations. Il y en a. Mais population. Il y a bien. Ayoka, t'as même la vie n'a été. Tu vas te retrouver avec une personne de 50 ans, français, ah ouais, bien voté, à qui peut qu'à voter. Mais bisous, nous sommes tous qui peut qu'à politique, tout la baraka politique. Libérer les énergies pour que Bantamik mène politique à Ben, bon, bah, ça, la politique. Ceux qui sont destinés à faire la politique, qu'ils fassent la politique, les hommes d'affaires, qu'ils fassent des choses ou des trucs. Donc, moi, je vais vous amener, on va aller visiter le patriarche. Parce qu'il y a un patriarche. Vieux Momo, le grand frère de M. Denis Sassou Nguesso, c'était un homme d'affaires. Et c'est comme ça qu'il se présente, homme d'affaires, tout yo kanenga alumi na biso. Il y a alumi na biso que non, mbongo ba investissement, ba investisseur ba yakuna, alumi mbongo ezali a we pa biso tozo sur la kata ezali na Londres et pa ya Léonce na a Franck Anani le bon. Bete ko enkun. Bete demande la régie tout la bête vidéo ya Momo Bental ya ou, c'est une vidéo, leçon de vie. Botika o ya ya mokonzi, o truc ba ma finga botika nani. Donc, on a occasion de reçoit un abisson abino à Wasikasiko. Ne vous en faites pas. Mamounia que plus quoi. Mais yaï, mettre la crise là, vous voyez quelqu'un qui est maintenant âgé aussi. Vous voyez très bien. J'étais même très surpris de voir comment est-ce qu'il est devenu le Bentala. Mettre la régie. J'ai tout la bête yaou. Leçon de vie aussi. Yina, vieux Momo, mais pèse à bête au Yann le patriarche. C'est comme ça qu'on appelle la régie, s'il vous plaît. Adami Wanda. Attention. Vous en avez des milliers. On doit continuer. Aïba Mototé. Mon nom est beau.
Faut parler. Monsieur le patriarche, vous êtes un grand homme d'affaires dans ce pays. Il y a certains investisseurs qui hésitent de venir au Congo. Ils disent qu'il n'y a plus la fiabilité dans le monde des affaires. Que dites-vous? Mais ils mentent. Ce n'est pas les vrais hommes d'affaires. Les vrais hommes d'affaires, ils n'habitent pas ni en France ni à Abidjan ou ailleurs. Ils habitent la majorité à Londres. Londres, c'est le centre d'affaires. Mais il faut le connaître. Parce qu'un homme d'affaires qui a 5 milliards, il ne va pas venir pour prendre la tomate que vous cultivez, il n'y a rien dedans. De manière que vous faites du bruit de la cultivité, il n'y a rien. Donc, il y en a. Le pays, le Congo, c'est un pays potentiellement riche. Mais les gens sont trop paresseux. Non, mais dans le cas d'espèce de votre fondation, dont vous êtes le président fondateur et ça porte votre nom, j'ai trouvé un créneau d'un cabinet des avocats qui s'occupe des grands hommes d'affaires et il y a des Italiens qui veulent venir ici accompagner des Suédois. Ça peut se faire la semaine prochaine si vous donnez votre avis. Qu'est-ce que vous... Qu'en dites-vous? Nous, les hommes d'affaires, on est comme les pirates, comme on était. Quand on sent une affaire, il y a l'odeur de l'argent, la richesse. On va pas mourir comme ça, pauvre, et puis vous n'êtes pas... On va les prendre dans les cas. On va manger les poissons comme ça. Non, il peut venir, oui. Donc, venir. Mais c'est sérieux, hein. Maintenant, la télé ne trompe pas. Il doit donner le nom correctement. Tout, on doit vérifier. Ce n'est pas les gens qui viennent, on les héberge à l'hôtel, après, non, rien. Donc, je pouvais, avec votre accord, adresser leur invitation, puisqu'ils vont venir avec leur propre billet et ils vont s'assurer de leur hébergement. Okay. Ce n'est pas la Fondation Maurice Nguesso, c'est eux-mêmes qui doivent se prendre en charge pour nous prouver l'efficacité, la capacité de leur auteur étant qu'homme d'affaires. Oui, monsieur le président. Merci. Oui. Je vous remercie, monsieur le patriarche. Oui. Malinga, Bemekuwa, le patriarche Maurice Nguesso lui-même, il a dit. Entre-temps, parce qu'il est là, Serge Nguakamabe, moi je préfère appeler, au lieu d'appeler le ministre Ngobo, ah le pauvre ministre Ngobo, hein, le représentant du ministre Ngobo s'appelle Serge Nguakamabe dans la matinale. Bon, il y a dit ma BTS, c'est toujours bien. Comme le, non, c'est surtout Karl Assoua, il est là, le représentant de Jean-Jacques Bouya. Et le ministre Ngobo, il s'appelle aussi Karl Assoua. Karl Assoua, et puis l'ami personnel, et Ali Serge Nguakamabe. Bon, entre-temps, il a taclé. Hein. C'est pas la pommade, la tomate là que vous faites ici, là, ou le manioc ici, là, c'est rien. Donc, il parle de l'agriculture. Il reconnaît le patriarche, lui, le grand frère du président de la République, lui qui a eu en main la gestion de notre pays. Il y a un Zaba, il y a un mandat directeur à Hydro Congo. Qu'est-ce qu'il a fait d'Hydro Congo? Tout, il y avait ça là. Donc lui, il parle à l'oreille du président de la République. Il dit ceci, le Congo est un pays potentiellement riche. Ça, nous le savons tous, ce n'est pas un scoop à Pessilisso. Alors, on peut s'appeler ce scoop à l'objet que les Congolais, les dirigeants sont des paresseux. Il y a une mauvaise maison de Yao. Bah, en tout cas, bah, paresseux. Mais les paresseux, ça fait 40 ans que vous êtes là. Ceux qui nous dirigent, ils sont paresseux. Lorsque je dis, ils viennent de vous insulter là, non? Lui, il vous traite de paresseux. Là, vous avez la sosaka, beninke zonzaka, là, vous avez la vidéo, pendant que vous finissez à déco, à voir le patriarche, à l'obé, qui va diriger, vous n'avez pas paresseux. Parce que c'est eux qui dirigent le pays. Les Congolais sont paresseux. C'est ceux qui nous dirigent là, les paresseux là. Et le vieux Momo vient de le dire. Vous savez, là, il y a une vidéo. Vous finissez, ce que vous en avez, ma coquille. Mais quand mon nom reçu, le plus faible. Ce va possible, on va passer, on va bien, on va paresseux. Donc, il nous reconnaît lui-même, son frère, Naba ou Nyosu, Naben, qui va paresseux. C'est dit par lui-même le patriarche. J'espère, parole, il y a Ajnaïe, Yakoumna, vous voyez bien qu'elle est maintenant âgée et elle est parole sage. Lorsqu'il le dit, il n'a rien à foutre de dire la vérité. Il le dit. Et Mambouina, ce n'est pas nouveau pour nous lorsqu'on dit non seulement ils sont paresseux, ils sont incompétents. Parce que vous voyez bien la paresse. La paresse est faite de telle sorte que il y a les manas même pour tenir dans quoi une sala. Oh, cocaro tellement qu'on nous salate. Mais après, ça va donner quoi? Ça va pas donner des résultats. Lorsqu'il n'y a pas des résultats, ça traduit l'incompétence. Voilà le mot incompétence, ce que ça signifie. Parce que place à bien une fois, après ça, bien une fois, leçon. Ça dit que l'un va dans l'école primaire. Leçon des choses, explication.
Voilà. Baban salabé te fosu là. Explication, bah, qu'expliquer, mais tout, tout ça là. Donc, les Congolais, c'est comme ça. Vous voyez comment, bah, infantiliser Bin. Bon, moi, là, même, bah, papa, miné, ne bazadéawa. Ils n'ont même pas compris. Bah, ça, même pas koutanga. Mais, bah, kaka, bah, que koua, bah, kadre. Bah, ça, même pas koutanga. Lire seulement. Lire seulement. Vous savez, au pays, j'ai eu un témoignage. Voilà, bête, mais beba. Ce pays-là, non seulement que le pays, c'est le pays des paresseux, paresseux encore. Au cause à moi, ma yé, les pauvres, ça, ils paraissent. Basse Moussous Bazali, avant qu'il toque, bah, yébi, koulamba, nakatiandak, bah, yébo, lamba, bah, yébo, ça, kou, ça, la paix ménage. Mais à cause, ça, la paresse, à l'ambibilia, t'es bon, ben, aïe, paresseuse. Est-ce que ça veut dire que, aïe, bo, lamba, t'es, aïe, bo, lamba? Est-ce que ce balubi, t'es, aïe, bo, combat, t'es, aïe, bo, combat? Balubi, aïe, bo, si, ma foyer, t'es, aïe, bo, si, ma foyer. Mais à cause, ça, la, moi, paresse, au lieu à tellement, y'a une autre trop, à qui peine à l'y bouter, naïe, tout ça, la paresse, et quand t'as un autre, tout ça, la, ben, y'a paresseuse. Mais balubi, t'es, aïe, bo, lamba, t'es. Voilà. Donc, au Congo, il y a des gens, non seulement que Bazalina paraissent, mais paraissent sur la Bazapena Bouzoba. Je suis désolé. C'est le mot. Vous voulez que j'utilise quel mot? Bantu na Congo, je reçois un témoignage. Il y a un mois de cela, je reçois un témoignage, quelqu'un qui m'appelle, qui me dit, ah, Amen Boki Mouna Boar, il y a des cours là, je suis en train de vivre quelque chose en direct. Oh, il y a qu'est-ce qui se passe? Ah, Yaya, Mwana bakala yayi, kumboyande atipo. Atipo, hein? Masalini. Et kumbo atipo, ça non, azam militaire. Nous allons ensemble là, enfant de Nino, vous ba militaire, ceux qui ba soldat, ceux qui n'y ba benga, ceux qui sergent, ceux qui caporal. Azalaki. Donc, tant que Azalaki wana, il fallait ba kumba kumbo na bango. Donc, il est raso comme Kombonaï, son nom, son propre nom, son propre nom. Il écrit Atiporo. Donc, là, comme Atipo, Ati, Atiporo. Donc, on a évité les raso comme Atiporo, n'est pourtant comme bien Atipo, mais ajouté encore moi, Ro, R-O, Nassima. Voilà, ni non, Naï. Donc, Batobayaka, Bayako Yébise, mais non, c'est pas comme ça, c'est, bah, la qui s'y est, Bakoumaka, Kombonaï, Moko Atiporo. Yaya. Après 7 ans, bon yo kanga bien. Azalaka soki combattant, Kapura soki combattant. Après 7 ans, lelo azali commandant dans l'armée na biso, commandant dans l'armée. Atiporo là, Atiporo. Il est combattant, commandant dans l'armée des forces armées congolaises. Mais ni kumbu ngemo singe zave sonika. Menge ke na monter ba échelon ba grade fosonge zabi sou noir fosonge mais ça là. Mais ça, ce n'est qu'un modèle, un exemple, na Pesibino. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui au Congo-Brazzaville. L'ascension imminente, t'as la sociale, y'a Bantu, ben t'as la Fosso, y'a Makambo. Là, vous voyez bien que le pays se meurt. Atiporo, combattant, et comme on est Atipo, à quelque chose, pour Yébi, ça dit que comme le col à apprentissage, ils sont toujours dans l'apprentissage. On dit, moi, Bantu est débutant, ou Bantu dans la maternelle, tout ça là. Mais c'est ça, ils contaminent. C'est pour ça, que je vous dis que dans le gouvernement, là, ce sont les détaillants de la République. Et ils sont, c'est la grande section du gouvernement. La petite section, vous la trouvez, vous savez, là, vous pouvez trouver la petite section. Parce que si vous pouvez faire une révélation à Mame Kena Loutan, la petite section, ça met un tchad. Parce que ça me fait de la peine pour Anatole Koulini Makosso. Parce qu'après avoir dit, oh, c'est une obsession sur lui. Mais non, mais vous savez, lorsque l'incompétence met l'outil des graines, donc tu ne trouves même plus les mots. Tu cherches maintenant des excuses pour dire, non, s'il fait ça, il doit être peut-être malade. S'il fait ça parce qu'il y a qui pilier. S'il fait, voilà. Mais mon associé, bah, maintenant, bah, excuse. Parce qu'il attaque qui, moi, ça m'a traîné parce qu'il y a qu'on avait. Mais lorsque je vous donne l'exemple, Atiporo, Atiporo, les Atipo, là, il ne savent même pas écrire son nom, il s'appelle Atipo. Nalaïm, Nalikon, Nakina, Mouniga, Kouane, Atipo, Rakmako, A-T-I-P-O. C'est fini? Bon, son Mouniga, il y a Bossu, il y a Tchate, Nassima, Nayevite, mais Atipo, Rola, je ne sais pas. Et Wouti, Wapi, le Rola, n'a comprendre à côté. Tilez-le. N'a qu'on réfléchir, mais pourquoi Ake Tikuna? Pour Ani, n'a commis Tikuna. Mais bon, c'est pour vous dire tout simplement, c'est comme quand on va à l'école, hein. Les Babana, on a débutant. Qu'on a saillé, comment on dit Tati? On dit ta, ta, ti, ti, ta, ti, ti, ta. Moi, là, on va ti, ta. Mais non, non, on va ti, ta. Tu dis bien ta, non, ta. Allez, après, ti, ti. Bon, ta, ta, ti, ti. Bon, dit ta, ti, ti, ta. Bon, bon, c'est pas ti, ta. Et comme il a dit, même, oh, ti, ta, il a dit. Bon, bref, c'est comme ça, les enfants, c'est comme ça. Il m'a begré. Donc, ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, nous allons maintenant sérieusement parler maintenant du sujet où il y a les deux tours jumelles.
Les deux tours jumelles, Baninga Nanga, Tolobakina, ça a coûté 214 milliards de francs CFA. Il est bon. Bakina, vous avez ceux qui sont Nyongo, ceux qui sont Saki Ningen, Balobiango, sur le fond, Bazunyongo, Naba Chinois. Bako Salakakuna et les autres Tolobaki, est-ce que c'était important d'investir autant d'argent dans les deux tours jumelles? Est-ce que Naloba qui va m'bongoana va croire au salabis au chemin de fer de Brazzaville Oyo? Puisque tout est centré aujourd'hui à Oyo, faisons cela. C'est pas grave. Va bongsaka kale, va récupérer, va nous la ville, va me développer. Va salabet le chemin de fer Brazzaville Oyo. Ils sont incapables de nous faire le chemin de fer. Même quand Kanzele a ma belo, Bokekuna passe, Ramona passe kuna, Bangomoko, ils savent qui est responsable. Ils sont incapables de parler aujourd'hui. Qui est responsable? Pour bien. Incapables de parler. Bamous. Et je vais vous dire pourquoi les gens sont incapables de parler. Il se passe un phénomène au Congo-Brazzaville. Et ça, c'est vrai. Ces gens-là, ils dirigent le pays méthodiquement. Méthodiquement. C'est-à-dire, pas qu'elle a méthode. Ils savent comment diriger. Comment semer la terreur dans ce pays. Comment voler. Comment. Pas qu'elle a ma méthode de Nyos. Les événements de 2016. Il n'y a que vers Anoudin. S'il y avait des ninjas, pas de ninjas. S'il y avait des Ntoumi, pas de Ntoumi. C'était un plan qui était calculé à aller semer la terreur dans la partie sud du Congo, plus précisément à dans le Pou, à Bakongo, Kwakelekele, Kinsundi, tout ça là, Bakeko semer terreur. Et aujourd'hui, ils ont réussi à semer la terreur. Les populations de la partie sud du pays de Brazzaville vivent sous la terreur. Ils vivent la terreur. Donc, bon, makena bao. Même répression de ça dans le grand Nyariina. Bazaba, bon, makena bao. Jusqu'aujourd'hui, ils vivent sous la peur. Mission réussie. Aujourd'hui, dès que tu parles, les stigmates de la guerre, nous, on ne veut plus la guerre. L'autre, on ne veut pas, laissez-nous tranquilles. Vous, tout ce que vous êtes en train de faire, nous sommes tranquilles, parce que lorsque ça va se déclencher, vous n'êtes pas là, vous êtes loin, vous êtes en France. Ils ont réussi. Donc, Kuna va canaliser population, il y a partie sud de Brazzaville, que ça soit Makelekele, Bakongo, que vous soyez à Kinsundi, le pont du Dieu, bien, non, surtout, Anna. Bon, yébi, bino, mon rote, non, ce que vous bougez, kuna, bon, yébi, sanction, bon, vous, bon, yébi, yango, bino, tout, bon, yébi, yango. Et ils le savent. Maintenant, il reste la partie nord de Brazzaville. Kuna, bah, salini. Kuna, bah, yébi, que, bah, qu'on se met terrain, tout ce, bah, qu'on bombarde, kuna, ce sont leurs parents. Bah, que, kuna, bah, qu'on bombarde, yarvé. Parce que, malheureusement, Brazzaville a été séparé de telle sorte que, awa, bah, Congo, awa, bah, Nibolek, awa, bah, Vili, awa, bah, Bomitaba, awa, bah, Mboshi, awa, c'est divisé comme ça, malheureusement. C'est pas moi, c'est comme ça. Et là-bas, qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils se sont dit, là-bas, ou qu'on a eu qui peut être que ça, là, pour canaliser ces jeunes-là, parce qu'ils savent que tout viendra par les jeunes. Ils vont faire quoi? Ils vont maintenant lâcher, bah, Tibango, Masanga, Nadro, bah, Kotissi, dans la partie nord de Brazzaville. Ba langwa, ba mela masanga, ba bébé noir, ba bilo konyo sotou ana, les jeunes ne vont pas s'intéresser, na koutala, mambwa imbibak na salaka, pépère, ils ont réussi leur pari. Ils ont canalisé la partie sud de Brazzaville, maîtrisée par la terreur, la peur reine, la partie nord de Brazzaville, ba déversé bango, masanga, tramadol, bilo konyo sotou ana, les bébés noirs, l'insécurité, là-dessus, à la jeunesse, à occuper à taille, donc, comme on côté, ils ont écrasé la jeunesse et ils peuvent vivre tranquillement, dignement, voler comme ils veulent. Voilà la réalité au Congo-Brazzaville. Mais maintenant, la Brazzaville, mais c'est calculé, les amis, ne croyez pas que non, il y a quelqu'un qui m'a hasard, il y a quelqu'un hasard. Il y a Ben Aboutanaka, il y a quelqu'un hasard. Il y a des officines du Parti Congolais du Travail, ce sont des gens qui réfléchissent, ça dit que comment faire du mal à ce peuple. Et bah où, bah que Vandal qui a pour réfléchir, il faut savoir que ça n'a pas écrasé la population. Et bah oui, il n'a pas réussi rien. Qui peut dire le contraire? Botan? Même quand ma sanga, les banigi, ma matissa, ma sanga, bango, ma bina! Heureusement, ton gangi, son Jésus, bango, ma lobby, bon, on laisse. Son Jésus, bango, ma lobby, on laisse. Parce que ma sanga, il fallait pas quitter sango. Bisous, normalement, bango, bango, bunda, maintenant, il fallait pas quitter sango, pas la bango. Bisous, tozo, bunda, ma mata, ma lobby, non. Là, on matisse, il faut y avoir limite, hein, au gros, qu'il n'est pas si caté. Nous, on s'en fout. Pourquoi? Pour que, bah, faciliter, banawana, bah, mela, ma sanga, bah, lang, soko, langui. Au salini, au zongi nanda, au salani. Soko sali folie,
C'est comme ça. Donc ils ont compris. Il n'y a rien. Et c'est à venir les sous-sexualités. Et bah, tramadol wana. Ça dit que les comprimés bizarres, ils ont kotakandengeni na Congo, pour yoki bango tcho balobi sinon, va lutter contre les faux médicaments au Congo Brazzaville, quelle vie. Les drogues dures, ils ont tamla na Congo Brazzaville, ils facilitent cela. Et ceux qui sont aussi du côté, non seulement la partie sud de Brazzaville, au Bazali, dans la peur, bango pe, ils se déversent aussi dans la boisson, va comment va soulard, va comment va s'amener, va challenge à comment la massacre. Et voilà comment on a réussi ce peuple. Et c'est pour ça, vous les voyez, ils sont tranquilles. Entre-temps, vous avez la kacha masanga. Entre-temps, vous avez la kacha le yenge. Bangoba, on continue au yiba. C'est comme ça, entre 2010, 2015. Bah, sakana mbongo na Congo, Brazzaville. Bah, bah, au yiba, mbongo na binou. Et 14 milliards pour les générations futures. Bah, bah, au tiango. Et pour les générations futures. Bah, au tiango, on a compte bloqué. On a compte de stabilité. Bah, bah, au cours, ça vit sur Anna. Les bah, bah, au zoango. Où est le club des milliardaires, là? Où est le club des milliardaires? Bazali wapi? Bali susu wapi? Oh, mon amour, susu. Pendant cette période, les babas qui ont eu bongo, bah, disséminé des informations que tu n'as pas, oh, bah, comme ma formation. Oh, la formation, et puis, bah, bongo, bino, kuna, le yenge, ah, tete, t'es, 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 bango, wana, y'a libre formation, et ma formation, bah, ça, là, comme si ma formation, bah, misarambo, ou t'as un alikolo, et quoi, y'a ma formation pauvre, je les connais, pauvre, attends, et l'autre, comment t'es, belle banane, mousaba, attends, qui me m'en suivait, les formations, j'ai, n'a ma linga, ma formation, et je suis entouré que d'eux, et béré, mais sous ce pauvre, nanga vina quand même mieux. N'a pas sa binote. Mais n'a mona. Pas qu'on s'y binote de wana. Et le Congolais va détourner Mos Missonaro. Va qu'occuper que Missote batoazo, yiba kabiso kuna. Va qu'on soit comme un bon en abiso. Va qu'on yiba mon la génération future. Va ou le casse. Ah tete, ah tete kuna. Y a signé. Oh y a saligui. Y a zumbongo. C'est comme ça. Ça dit que cela mon binot. Va y a son groupe là. Va zo ba ou. Bota la. Va ou au casse. Tu n'as pas de formation. Toro lia. Va qu'on lia. Va qu'on pose. Va ou ton abandako. Va qu'on salade. Ou yenge. Après un moment, vous vous posez la question où est parti ce temps. Mais cet argent-là, c'est ce qu'ils étaient en train de jouer avec. Lorsqu'ils prenaient même des rendez-vous, pour l'Europe, même moi, si rendez-vous, je vais continuer l'avion à Équerre, Dubaï, pas que le coup de la Kuna. Je vais continuer l'avion, quel est la Brazzaville, la pointe noire. Parce que comme Kuna la Brazzaville, au tel union surtout, on a, au lieu de le coup de la Kuna, il y a Kinewa. Mais c'est votre argent. Et c'est comme ça qu'on trompe le peuple. On a toujours trompé le peuple comme ça. Et là, ils ont trouvé un moyen pour cette jeunesse, bah, manipuler cette jeunesse. Et voyez cette jeunesse aujourd'hui, la partie sud de Brazzaville, on a sémé la terreur du Kenekuna. Tu peux même pas, c'est-à-dire que prononcer même le nom de Sassou là-bas, et à Nokola Ozo, ça la crime. Il faut pas qu'il y ait même la Simanda pour prendre le bango. La partie est nord et Brazzaville, bah, on a comment sémé terreur, peut-être, bah, bombarder, bah, on a terminé. Ils ont mis les bébés noirs, et bah, l'autre, bango, l'insécurité, Massanga, Tromador, Botalaba, la Bakumo, Langwa, Ikeledia, Kavé. Entre-temps, ils profitent. Ce n'est que maintenant, vous pouvez voir quelques jeunes dans la partie nord qui commencent maintenant à élever, son de clochon, Yogatino. Ah non, Bissouawa, c'est pas normal, Buenabri. Et ils sont incapables maintenant de maîtriser, qu'aux ongles la bango. Mais ils n'ont rien à foutre. Ils sont déjà vieux, bah, comme Kiné de bango, ils n'ont rien à foutre. Donc les deux tours jumelles, investissement Obasa qui sur les deux tours jumelles, là où la population pouvait être exigeante. Et lorsqu'on en a parlé, ils voient toujours les choses de l'autre côté, mais voilà celui-là, il est contre pour que Obasa l'investissement la boca. Et c'est pas joli, vous voyez pas les deux tours jumelles, mais c'est pas ça. Est-ce qu'il y a qui priorité? Est-ce que Zala qui priorité? Non, mais qui va m'bongo wala bozu, m'bongo wala bozu, là, et loco, boton, absolument, même usine employée, en même cas, 1000 personnes, 1000 jeunes. Au lieu de l'autre, là, qui nous a parlé, il paraît qu'il va créer 100 000 emplois. Donc, on rappelait, bango, moi, il y a Mars, mais Manissa. Moi, il y a Mars, mais Manissa. Ben, d'un coup, Ouattab, Diotivé, on a conseillé les ministres, la maison, pilière, on va mettre ça, là, aide, là, entreprise. Il n'y a qu'à embaucher 10 personnes, ou 20 personnes. Peut-être que ça, là, un pilière, ou 100 personnes. Peut-être que ça, pilière, Toyo qui a goûté. Bah, faveur, bah, pécité dans mon entreprise, de où tu m'en as qu'à la camion encore, bah, le but, sinon, il faut que tu sois bambon, on a binouana, oh, bah, salaka, wana, mais les gens ont peur. Moi, je vais commencer à embaucher, si bon, on a surtout, nazo salaka, nazo fouta bateau, bambon, wana, n'a plus sa gamine, ming, na l'étana, n'a boué, n'a gana, bossa la route. Et les gens, il s'est dit que le frein à l'emploi, bah, on va créer, en gros, bah, voyez, ils veulent faire croire que nous, ils vont créer les 90 emplois dans le privé, j'attends toujours voir. J'ai entendu d'autres Congolais, intelligents, et vous savez le mot intelligent. Ah oui, mais c'est possible. On peut créer les 100 000 emplois. Oh, 100 000 emplois. C'est pas parce que lorsqu'on vous dit des bêtises, vous croyez que les 100 000 emplois, ça se crée comme ça. Hein? Bon, il faut mettre les conditions. Et pour mettre les conditions, ils pensent que non, en un jour.
Papa Kansamissou Soukena, ah bon, non, moi, si j'arrive au pouvoir, là, tu fais le premier conseil des ministres au Congo et mes chantiers. Non, il y a tout un processus à faire. Et le processus, ça prend du temps. Donc, en une année, c'est quasiment impossible au Congo, il y a Bissou Yalelo, il va créer 100 000 emplois. C'est quasiment impossible. Quasiment impossible. Quasiment impossible. Donc, le discours creux, si c'était possible, Naba Messalia, ça va me salver. Parce qu'il y a quelques promesses, il va me payer ça. 90 000 emplois dans le privé, 10 000 emplois dans le public, bah vous voyez quoi, n'y'a. Bah là, les manas déjà, vous foutez combien de salaire, hein? Bah là, les manas, y'a. Bah là, les manas, vous foutez même quand on va arrêter, bah là, les manas, vous foutez pas que vous voyez. Bah, quand tout le monde est signé à la laque. Parce que embaucher, ça veut dire qu'il faut assurer les salaires. Parce que ça sert pas de prendre des jeunes et pas de donner les salaires. Ça veut dire que les gens sont chômeurs. Il va, il va ça, la cabazana, va rouba chômeur. Beaucoup de gens travaillent. 88 mois, il y a sans salaire. 88 mois, sans salaire. Bon, bon, le bananga. Aux allées chômeurs, autour aux allées travailleurs. Là, on va dire à travailler, travailleur, ok? À chômeur. Mais bien, au Kansatia, aux allées travailleurs. À ça, travailleur, t'as ça dans le chômage. Donc, il y avait des investissements à faire. Et investissements, là, il fallait créer, capable de l'emploi, c'est ce qui manque pour la jeunesse. Ben, infrastructure, il y a des gens, est-ce qu'on en avait besoin des deux tours jumelles? Mais les autres veillants. Il y a quel budget chiffre d'abord, même entretien, il y a ou rien que même caca courant, courant et qu'elle veut, maintenant tu la passes. Même ceux qui, à Douganga, à Zoboya, à Koulobanabissou. On vous a fait la démonstration, il y a production, c'est-à-dire, exigence, il y a tour humaine à courant et à livrer. Ça va pas utiliser la centrale de la Batikuna. Non seulement ça pollue, pareil que le président de la République a comme un vrai, comment on appelle ça, un écologiste, mais au moment où on a mis le oui, à qui a coupé sa centrale à Yohana, au réseau pollué, et puis bon, on est belé pas pour faire tourner centrale Wan. Électricité, tu as la humidité. Tu fous ta gamine, on a mis sauté, tu commences à te dépendre, il y a la RDC, RDC a aussi la bisoté, puis à un bon, on a une dette de 11 milliards là-bas. L'État congolais, il est mort, à foutre à courant, le plus grand consommateur, il est, à foutre à terre, pour que ma société ait table à malam, la SCDE ait table à malam, parce que l'État, il est mort, le plus grand consommateur, c'est pas toi et moi. C'est pas toi et moi. Bisous n'a eu utilisé que courant militaire. Et allez l'État, tu as utilisé que courant militaire. Bon, mon épargne, c'est éclairé par climatiseur, bilocognon surtout, bah ça la raconte, y'a l'yabango. Calamité, quand bah y'a eu qu'on copie, bon, moi, bah on soumet ma voiture électrique, bah on est à coup. Bon, bah tiens, biloco, courant, y'a l'yabango, y'a l'yabango, calamité, dans le milieu de la noca, bah on tient au gouna. Même si on va nous aider, ça m'a bébé, on soumet, bah on passe, bah on le yéré, vous aurez ça ensemble. Qu'est-ce qu'on a pris? L'argent, on a pris, on a investi dans les deux tours jumelles. On en a parlé 5 mois à peine. Aujourd'hui, tout je mets comme ça on va pêcher dans un groupe Hilton et là comme l'âme et là comme ben naïveté, mais je vous signale tout simplement tout ce que le gouvernement de la République fait aujourd'hui. Ça dit que ce pouvoir aujourd'hui ne fait pas des choses pour le peuple congolais, il fait des choses contre le peuple congolais. Pour preuve, le radisson, est-ce que vous savez que le radisson appartient à l'État congolais à majorité? Le radisson, vous voyez bien, est-ce que binobo yebi le radisson là appartient à l'État congolais, mais officiellement? Mais qui va sonner Kakuna. Oh, le radisson, il y a qui va banque à Kaka, qui gère Kaya. Mais lorsque je vous dis même l'État congolais, mais c'est qui l'État congolais au radisson là-bas? C'est qui? Donc lorsqu'on dit c'est l'État congolais, et l'État congolais là, c'est qui? L'État congolais représenté par qui? Donc même Guitala, les Belgata, l'État congolais, la Zozaka, mais Guitala, il y a qui Moutoua Kaka. Moi, je ne suis pas surpris. On va ben appeler tous deux tours jumelles là. Les deux tours jumelles là, après c'est un groupe Hilton, sauf encore Talakuna, Hilton là, Nassima, Hilton là, et a toujours encore l'État congolais. Et lorsqu'on dit l'État congolais, Nassima, l'État congolais, Kuna, comment mon souci à Kobima, où est-ce là qui a yé? Abimissian. Après 20 ans, Abimissibi, on va papier, et comme il procès, Yéwana, à Koufa Kanaye, Banane va comment revendiquer, oh papa Nabisson, on t'attend à Kango, oh Intel, on t'attend à Kango, t'as comment voter là, Radisson. Oh, t'as comment voter là, les deux tours jumelles, Yaki Abete, tout ça, et comme il procédure. Parce qu'il y a Bikanda, ma commis, donc on a tabino, on a tribunal, on a roussanino, comme on a tribunal, on a un juriste, on a un roulanda, comme on a moulou moulou, ils vont dire ah oui, oui, on a les documents, yango yawa. L'État congolais a l'air, l'État congolais a été, l'État congolais a été, ça n'est pas inter, inter la kamati, a été ici, il n'est pas inter. C'est fini, il y a mes échappés. Mais d'un point de tala, côté à la régie, très régie, tout la bête, élément, il y a un tala, bah, pessi yango et pas ya Hiltona, kata Hiltona, moi, je ne serais pas surpris demain, Toyokati, et comme il y a l'État congolais, l'État congolais à Simakuna, et Ali Motomoka à Simakuna. La régie, s'il vous plaît. 5 mois après leur inauguration, les tours jumelles de Brazzaville ont désormais un exploitant digne de leur taille. 5 mois après leur inauguration, les tours jumelles de Brazzaville ont désormais un exploitant digne de leur taille.
Il s'agit du groupe américain Hilton qui vient de signer un accord de gestion avec la Société d'exploitation et de développement des infrastructures du Congo, CEDIC en sigle. La prochaine étape consiste à convertir l'hôtel à la marque Hilton, selon le chronogramme qui sera défini par nos deux équipes techniques. De notre côté, nous sommes prêts pour son exploitation et de tout mettre en œuvre pour attirer à Brazzaville nos 180 millions de clients à travers le monde. Paraffé en présence du ministre d'État Jean-Jacques Bouya par la directrice générale de la CEDIC, Myriam Bénédicte Ndenge Atiki, et Guy Outisson, président du groupe Hilton pour l'Afrique et le Moyen-Orient, cet accord de gestion des tours jumelles est un aboutissement heureux des négociations menées entre les deux parties, conformément aux recommandations du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Je salue l'aboutissement de ce long, on peut dire ce long, et précieux processus de négociation. Je félicite les équipes pour ce travail, le pays et son président se réjouissent de l'intérêt, je dis bien l'intérêt que le groupe Hilton porte à notre pays, déjà par les tours jumelles. Nous avons d'autres produits à vous présenter aussi. Hilton est un partenaire fiable ayant une notoriété internationale avec plus de 7000 établissements hôteliers répartis dans 123 pays à travers le monde. Bon, Baninga, donc, t'osez là, puisqu'on nous dit on est toujours pressé. Attendons, le temps est le meilleur juge. Betmetal va metulia ou Hilton Kekuna. J'espère que Barossa Labisso va voler à Air France vous allez maintenant moins cher pour que Batoval ou Baou touriste ou les hommes d'affaires les Baroya Rabat qui est question à Hilton, ceux qui n'ont rien dit son nom. N'a évité Banani Motobaro Barona Takuna, Hilton a outu Gosomba et donc on a tout à la ligne à Rossala. Pendant le Congo, Betretala. Bon, en plein immondice, il y a quelques Nampilakuna tout autour. Et ça sera très curieux de voir tous ces touristes-là, ces hommes d'affaires, à travers leurs fenêtres, les barotiens, la ténèbre, barotaka, immondice tout autour, Nampila. Donc, il est temps peut-être, bambon, on missus, il tourne à Zuango, comme il tourne à Zuango, administration, comme bon, on a amélioré, mis au quartier, Nampila, on a comme vraiment quartier moderne. On l'espère. Ça, on l'espère. Mais on veut, mettre que Zura veille boire hier. Baninga, t'as autour aussi, ça, dans les tours jumelles, nous allons repartir du temps le passé. Bitcoin toujours dans le passé, mais promettre Beno, Bitcoin Boki là, Tata André Milongo inabikabit. C'est un modèle aujourd'hui qui a séduit beaucoup de gens. André Milongo était à la tête du pays au Congo-Brazzaville après la conférence nationale. 91-92, il est resté pratiquement plus d'une année, peut-être une année ou je ne sais pas combien de mois, en Vandaka. Et il est resté, moi, la février, mars, je crois, mars, la fin de la conférence nationale. En 2012, il est resté, je ne sais pas, c'était 11 ou 12 mois, parce que je pense vers le mois de mai, il y a organisé déjà l'élection de Boalabé. Alors, Baninga, André Milongo est resté chef du gouvernement, le chef suprême des armées, président du conseil des ministres. C'est-à-dire qu'il avait la gestion du pays. Il y a un dinan, ça, la gestion du pays. Et cette gestion, vous savez, je vous ai fait un édito hier sur André Milongo. Il y a un dinan. Donc, aujourd'hui, on a retrouvé quand même un passage. Il y a deux zonzak. C'est-à-dire que on ne crée absolument rien. On ne crée absolument rien. Lorsque Anatole Koliné-Makosso nous parle de l'orthodoxie financière, Betke rappelé, c'est quoi l'orthodoxie financière, Boubia, Yankou, Wayao, Benitage, Anatole Koliné-Makosso, premier ministre du Congo, Yankou, Tala, Yad, Panga, Yad, premier ministre, Ramani, Zozia, Wap, Margan, Salaka, Betala, Wap, Kimake, Bikile, Betona, Congo, Awa, Anatole Koliné-Makosso, Togotala. André Milongo, Bétoué dans la régie tout la Béto, qui m'a papa André Milongo, Toyokaye, il était l'invité de Jean-Claude Kakou, le célèbre journaliste, journal à 20h, il ne peut pas modérer la Béto News. Celui qui n'a pas aimé Jean-Claude Kakou, tu es sorcier. Voilà, la régie, s'il vous plaît. J'ai servi pendant 8 ans comme administrateur titulaire. Et depuis le mois d'octobre dernier, vous êtes à la disposition de votre pays. Nous imaginons que votre participation à la conférence nationale sera essentiellement économique. Alors, vous êtes au chevet d'un malade qui s'appelle Congo. Mais un malade, avant de le soigner, il faut d'abord savoir de quoi il souffre. Alors,
de quoi souffre le Congo. On sait que, bon, on a évoqué des causes exogènes, baisse du prix du baril du pétrole, baisse du cours du dollar, etc. Mais il y a des causes endogènes. Qu'avons-nous fait dans ce pays pour qu'il en soit ainsi? Merci. Oui, comme vous avez dit, il y a des causes exogènes que vous avez citées, c'est-à-dire le pétrole. Mais il y a un élément aussi qui me paraît important, qu'il faut dire, qui est plus général, c'est ce qu'on appelle le terme de l'échange. C'est-à-dire la différence de prix entre ce que nous nous vendons, qui se déprécie sans cesse, et ce que nous achetons, principalement les machines, qui, elles, s'apprécient sans cesse. Ce qui crée donc un gap, une différence qui ne peut pas être comblée facilement. Donc il y a ces causes dont le Congo a souffert également. Mais d'autres pays en ont souffert. Il n'y a pas que le Congo. D'autres continents également en ont souffert. L'Asie en a souffert. L'Afrique aussi en a souffert. Mais je dis qu'outre ces causes, il y a des causes endogènes, des causes qui ressortent uniquement au Congo, à la façon de travailler des Congolais. Ces causes sont d'abord, je crois, des causes administratives. Des causes administratives en ce sens que l'administration ne fonctionne pas normalement comme elle fonctionnait autrefois aux premières années de notre indépendance. Voyez-vous, je prends quelques exemples. La discipline dans l'exécution du budget, par exemple. Nous avions à l'époque un budget qui faisait à peine 10 milliards de francs CFA. 10 milliards. Du temps où vous étiez trésorier, oui, payeur général en 64. Ce n'est pas le premier budget que j'ai exécuté. Le premier était nettement inférieur à ça. Mais parmi les derniers que j'ai exécutés, c'était autour de 12 milliards. Mais celui dont je parle, en 64-65, était de 10 milliards. Avec un budget de 10 milliards, nous avons pu construire ce que vous voyez là, ce qu'on appelle le stade de la Révolution. Le stade que vous voyez et les voies d'accès. Donc le stade de la Révolution a été construit sans apport extérieur. Pas un sou emprunté à l'extérieur. Pas, je dis bien pas un sou. Le budget faisait 10 milliards. Nous avons pu enlever aux 10 milliards 1 milliard pour faire le stade de la Révolution. Et nous n'avions pas de difficultés budgétaires. Les salaires étaient payés régulièrement. Nous n'avions pas de dettes, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc avec un budget de 10 milliards. Maintenant, nous avons des budgets beaucoup plus importants. Pendant la période du boom pétrolier, on est arrivé, et je répète parce qu'il y a des gens qui ont contesté ça, les budgets ont atteint entre 400 et 500 milliards de francs CFA, je confirme. Si on additionne les recettes pétrolières, les recettes non pétrolières et les tirages sur l'emprunt, le montant affrôle bien les 500 milliards pendant certaines années. Je dis ça. Et pendant qu'on a eu ces montants, nous n'avons pas pu réaliser les moindres choses. Comme je disais à la conférence, nous ne pouvions même pas acheter des tables bancs pour nos enfants. C'est extrêmement grave. Donc, les causes, c'est d'abord une négligence dans l'exécution du budget. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais apparemment, il y a eu beaucoup de centres de sortie des dépenses. Il n'y avait pas de contrôle. Autrefois, les dépenses se faisaient sur mandat. Eh bien, depuis, pendant la période pétrolière, les mandats avaient disparu, ou bien c'était devenu exceptionnel. Les dépenses se faisaient sur bout de papier, on fait un bout de papier, que l'on présente soit au trésor, soit à la caisse pour être payé. Cela n'est pas admissible. Justement, M. Milongo, tout à l'heure, vous avez parlé de l'administration qui n'a pas parfaitement fonctionné. Essayez de nous rappeler un peu l'orthodoxie financière qui prévalait à l'époque où vous étiez au trésor public. Donnez-nous des exemples qui pourraient nous frapper aujourd'hui, car nous n'avons pas vécu ces choses-là, nous. Essayez de nous rappeler un peu cette époque-là. Eh bien, vous savez, pour qu'une dépense puisse avoir lieu à l'époque, il fallait un mandat, et le mandat naissait dans le service. Dans le service. Il devait passer au contrôle financier. D'abord, au contrôle financier, ensuite à la direction des finances, et enfin, il atterrissait au trésor. Au trésor également, il y avait des contrôles qui étaient faits. Et quand la dépense n'était pas régulière, le mandat était rejeté. Voyez-vous, c'était ça ce qu'on appelle encore l'orthodoxie financière. Il y a des gens qui croient qu'on le fait pour embêter les autorités, pour ennuyer les autorités. Pas du tout. On le fait parce qu'il faut le faire
pour éviter que des dépenses qui ne sont pas régulières soient faites. Uniquement pour ça, voyez-vous. Alors, à votre avis, pourquoi cette orthodoxie financière n'est plus applicable aujourd'hui? Est-ce qu'on peut encore le faire aujourd'hui? Absolument, c'est tout à fait possible. Ça ne dépend que de nous-mêmes. Et moi, je parie qu'il y a des agents compétents qui peuvent le faire dans l'administration à l'heure actuelle. Mais j'ai l'impression, moi, je n'ai pas vécu ici, mais j'ai l'impression qu'on a habitué nos fonctionnaires à la facilité. À la facilité. Et ça, c'est extrêmement grave. Bon. Oui, oui. Oui. J'avais cité des exemples à la conférence qui illustraient bien ce que nous appelions l'orthodoxie financière, mais je peux en citer d'autres. Allez-y, allez-y. Bon, je vais vous en citer d'autres. Une fois, j'ai reçu un chèque du président Massamba Déba. Mm-hmm. Un chèque qui devait être payé sur ses comptes politiques, qu'on appelle les comptes secrets. La caisse noire. L'agent du Trésor l'a reçu. Il est allé vérifier le compte. Le compte n'était pas pour lui. On me l'a apporté en me disant, voilà, c'est le chèque envoyé par le chef de l'État. Qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas de provision. J'ai dit, ben, c'est pas payable. C'est pas payable. Et il est retourné. On ne l'a pas payé. Et qu'est-ce qu'il voulait faire avec cet argent, le chef de l'État? Ah, ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Ça, je ne peux pas vous dire. Tout simplement, je ne sais pas. Bon. Nous vous retrouverons dans un petit instant après cet élément que nous allons lancer. Mais à 7h, à ces avancées de la journée, je n'ai pas l'intention de faire une déclaration, une longue déclaration. Je voudrais tout simplement dire quelques mots. Les premiers mots, d'abord, c'est des mots de remerciement aux conférenciers et au peuple congolais pour la confiance qu'ils ont bien voulu placer en ma modeste personne. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que je ne suis pas l'élu d'un clan. Je ne suis pas l'élu d'une tribu, comme vous avez pu le remarquer. Des voix de diverses origines se sont rassemblées pour m'élire. Donc, je ne voudrais pas être otage d'un clan quelconque. Alors, vous venez de suivre un certain André Milongo. Mais vous savez, c'est bien quand même de revoir ces images-là. Et vous voyez que la personne tout colis toujours comprendre maintenant le sens. Peut-être à l'époque, lorsqu'il parlait, on comprenait rien du tout. Mais l'élo, ouïouélé, toujours, yoka et toujours, le bakenon, le Congo a raté vraiment, il a une belle occasion. Bon, voilà. Et sur fond de tribalisme à l'époque où nous étions, ces gens sont déchirés bêtement. Et voilà, nous subissons. Alors, Anatole Coloné Makosso, tu as entendu ce qu'on appelle par l'orthodoxie financière. Niya ouyaï! Orthodoxie financière, niya ouyaï! Alors, mon cher ancien Verlin Richard, là où tu te trouves en villégiature au Congo-Brazzaville, et toi, tu me parles surtout du GAP, mais tu as vu que le doyen Milongo parlait déjà du GAP à l'époque, donc tu n'as rien inventé, donc tu n'es plus ancien. Voilà, maintenant, il va parler caca. Bon, voilà. Donc, c'est pour vous dire tout simplement, Anatole Coloné Makosso, il y a Bake Bokilaka orthodoxie et financière, ni yaï. Est-ce que tu imagines qu'il peut y avoir une orthodoxie financière au Congo-Brazzaville lorsque vous avez un président de la République qui s'appelle M. Denis Sassou Nguesso et le trésorier payeur général s'appelle M. Ngondo? Est-ce qu'il peut y avoir une orthodoxie financière? Donc, sors un peu de ton discours pour berner les Congolais de nous parler de l'orthodoxie financière. Vous voyez là, André Milongo, il est Bakongo, hein? Bakongo, là où Bakongo, du poule, Bakongo, André Milongo, trésorier, payeur général, Massamba Déba, Bakongo, il envoie un chèque au trésor. Bapé Salambog, dans les comptes secrets, il n'y a que le président fait ce qu'il en a envie, c'est ça. Milongo reçoit, à l'obi, à Wambong Ezalité. N'a pas compte à l'État, ou à Wambong Ezalité, autosan, mais n'a pas foutate, à Zongi Sichek. Et comment on appelle Massamba Déba n'a jamais demandé de révoquer Milongo parce que Abouyaki Kofout a chèque Wana ou bien Yamoka Moniti à l'hôpital. Ah là, c'est le président qui paye, qui demande de l'argent à cause de Mbonga salaire, il y a un salarié pour caper ça. Non, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent. C'est ce qu'on appelle l'orthodoxie financière. Toi, tu imagines un seul instant que non, Denis Sassou Nguesso envoie. Motonaye, a kenena chèque kuna a lingi mbongo, a demandé mbongo, ngondo a lobatino mbongo ezati na wufutate. Tu imagines ça?
Est-ce que tu imagines ça toi-même et tu veux nous parler de l'orthodoxie financière? Arrêtez de nous distraire. Ben maintenant on va pas en guerre. Hein? Bon, payez pour s'abuser encore. Vous pouvez s'abuser en besoin mona. Oh, mon nigga, ça dit à moi. Mon nigga, voyez, premier ministre, n'est pas au Lubaka, elle est à Zaga, premier ministre. Il faut t'inspirer de ça. Attends, tu es au Congo. N'est à laver ma mambouina, Milongo va lui salaver. Tu peux pas. Il faut que vous ayez un modèle. Modèle. Ou un modèle anglais. Modèle anglais, quoi. Parce que moi aussi, je suis un modèle. Mais je suis un modèle anglais en tant que premier ministre. Soit pia. Hein, tu veux marquer ta marque. Il y a toi, il y a. Colline, ma consommation, n'est pas là, Yavé. Non, tu vas marquer l'histoire avec quoi. Et c'est ça qu'on appelait Inbake Bokilaka. Orthodoxie financière. Naïe Bibino Toubozo Zelaka, le sacolage, deuxième épisode de Hugues Golondele, le voleur démasqué, l'affaire de déspropriation Yamatombi, Bozali, Tokosolo la Makambouana. Nandege Moko ya propre, vous allez avoir d'autres révélations aujourd'hui. Parce que la matinale, elle est donc à peuple. La matinale, si vous êtes touché la matinale, c'est une institution de la République. La matinale à Simanae Bato Bazali est belle, incalculable. Donc là, voyons qu'on touchait l'institution à la matinale, le Congolais se lève là où il est. Même celui qui a volé va venir dire, bon, monsieur Dieko, là, j'avoue que j'ai volé. Vous avez raison. C'est ça la matinale. La matinale, qu'est-ce qui m'a peuple? Il ne faut pas, ben, qu'on a touché. Ça dit que lorsque vous parlez de la matinale, il faut même Tina Yao. Ça dit que je ne peux pas dire que membre peut-être, mais il faut même Tina, parce que c'est une institution même divine. Il faut faire très attention. Lorsque vous partez, il y a une malédiction, il y a une matinale pour rien. Parce que la matinale se bat pour le peuple. La matinale se bat pour ce peuple. Le peuple congolais. Bakouba embrouillé Benové. Les gens vont transformer les choses pour diaboliser la matinale. Ça, c'est vrai. Mais ça a toujours été ainsi. Même Jésus, pour les chrétiens, qui est venu sauver ce monde-là. Beltala Fosso, il était persécuté. On a même trahi. Donc même la matinale aussi peut être victime de trahison. Et moi, je ne suis pas surpris d'être trahi. Hein. Ça dit que ne croyez pas qu'un jour, que l'homme va nous surpris. Et donc même à Ménassia, donc moi, ça ne me dit absolument rien. C'est normal. Il y a quelqu'un qui a processus. Mais processus, ça n'est que coup matin à la fin, les amis. Donc lorsque quelqu'un touche à l'institution divine, institution de la République, il n'y a qu'une institution divine. Mais les abats répercussions qui vont à la manima. N'am t'en a l'obé libino en moubo yo kerangaï. Bobeng anga jour au prophète. Bobeng anga nganga. Bobeng au jour au relevé langa en mou. Naïeb sakabino. Parce que chaque fois que les gens touchent à l'institution de la matinale, il y a toujours quelqu'un qui sort quelque part pour venir apporter un élément au écotier à Batouana en mal. Donc, ce que vous avez vu, ce que les gens ont raconté sur la matinale, alors que Tozo Oué Nabango, tous les matins, les amis. Nous nous levons pour vous, pour ce pays. Et vous ne pouvez pas imaginer les sacrifices consentis. Boye bien goté. Nakoko expliqué, bnoté, bokon dimé la ngoté. Bokon dimé la ngoté. Ceux qui n'ont pas pu se programme au Yangaï, Ngaï Kaka, pour ne pas parler par exemple de Sir Makoso. Si je vous donne seulement le mien, Tiad Kekouzouabin. Ceux qui me connaissent, ils savent, ils demandent comment tu fais. Nala Bebe Yali Yanzambi. Lorsque je finis avec vous ici, là, je pars travailler, les amis. Moukekouen Sala. Si Moukote n'a 1h, n'a 21h, Nzambi Mezouloumoun. Parfois, que kota 23h, Moukekoudia, minuit, Moumé Manista, Moukouen Amfoulou, 4h, 5h, Vumouka. Et ça, c'est tous les jours. Et là, Mouké Sala, quand je travaille du lundi au dimanche, Ça va faire peut-être combien de mois? Du lundi au dimanche. C'est-à-dire, il faut que Moumouba colère la couche de vacances. Nous en avons aujourd'hui, non, ce week-end, je ne pars pas travailler. Mais on le fait pour ce peuple. Et lorsqu'on fait pour ce peuple, et lorsque le peuple ne comprend rien, et lorsqu'on essaie quand même de faire, de se battre pour vous, prenez quand même la peine d'écouter, lisez quand même, parce que c'est à votre portée. Pour que Benizab, ah, mais on n'est pas des dieux. Hein. On peut se tromper. Lorsqu'on se trompe, on vient ici, on dit on s'est trompé. Il n'y a pas de problème. Si vous voyez que quelque chose qui est anormal, appelez-nous pour dire que non, là, tu t'es trompé. Plein. Ils ont dit qu'on s'est trompé. Ils nous ont appelés. Namamwa la kapé de Yaï Mouzozakawa. Le concerné, non, c'est pas vrai, c'était pas comme ça. Je lui ai dit, mon cher, le monsieur Gonzi, là, j'ai dit, viens faire ton droit de réponse. Yaké na tinak. Ok, on s'est trompé, on a dit des choses qui sont fausses, mais viens faire ton droit de. Moi, je lui accorde le droit de réponse.
Il est incapable de venir faire son droit de réponse. Mon maison se fait même communiquer, je vais le lire. Mais tous les jours, me bombarde des messages. Mais à quoi ça sert? Si tu penses qu'on s'est trompé, mais viens. Les gens qui ont fait se préparer parce que le compte de Koubeba, qui va dans le document, il est arrivé. Mais si tu veux porter ton droit de réponse, c'est libre, gratuit, offert, yaka, au demander droit de réponse, ça peut si. Donc ça sert à rien sur les Kamwikui. Bon, ça n'est la ganga, l'isanga, bon, finga, bon, comment ça, ce qui n'est nini, bon, keti, mosika. Ça sert à rien. Appelez-moi. Vous avez mon numéro de téléphone. Bon, kuro zwango. Il suffit seulement de demander, bah, au pire, bien, au bengingai. So, bon, galanga, la téléphone, bon, galingai, bon, le binangai, bah, bon, d'accord. Mouke baka, mouke rectifié, ma, bon, mes autres. C'est ça, les fautes. C'est simple. Il y a nini. Non, mon assouni, il y a nini. Ce qui n'a sali faute, n'a sali force. Ce qui n'a sali comme ma faute était, bon, n'a sali pelle comme ma faute était, n'a qu'on le babino d'engwana. C'est ça. Mais ça sert pas que va manipuler bien la pierre, non, moi, ma petit miette, ou en avant, quoi. Bon, vendre des papas comme ça, des mamans, pour même qu'ils en a courage à fonctionner à vous. Non, ne faisons pas ça, parce que le pays n'a pas besoin de ça. Nous allons ouvrir ce dossier après que Topé Sanani, Kandanakad, Assoua, Nana, Yabake Bukilaka, et Serge Ngouakamabé, tout le banane agriculture, Oyo, le patriarche, il m'a dit, critiqué. Mais les agis, mais moi, elle est moi, agriculture, il y a un mot mécanisable. Il y a l'agriculture, il y a. Mais tu t'as la yao, ma part, faut soigner salaka, pour que nan yo, à quoi ça les sous-bisoté. Alors, la régie, s'il vous plaît, tout la bête, moi, élément, il y a agriculture, bisoto, bah, comme on le bat à la voix, bon, on doit apprécier, bisonio, surtout. Donc là, on pulvérise. Voilà, notre deuxième application d'azote dans ce champ qui a 7 hectares de blé. Là, nous sommes en plein champ. Là, c'est toujours le traitement d'azote. Donc, comme il est prévu de la pluie pour demain, donc on applique déjà l'azote pour que ça puisse bien rentrer, pénétrer dans les plantes. Donc là, je suis en plein champ. Voilà l'application d'azote. Dans ce champ, c'est notre deuxième application, comme je vous ai dit. Donc on a 8 hectares de blé. Donc ça permettra de booster le taux de protéines. Donc c'est très très important le taux de protéines pour le blé. Sinon, l'objectif à atteindre, le minimum, si ça peut être entre 11,5 à 12 de protéines, ça sera une bonne chose. Donc c'est pour que ça soit bien placé en blé panifiable. Donc si le taux de protéines est très très inférieur à 10, alors là ça sera déclassifié en alimentation animale.
Alors, Baninga, j'imagine que les amis et le ministre Ngubu doivent être en colère. Ngayanganate, yalingaïté. C'est pas moi. Faute ya mounouvé. Y'a que faute à mounou. Y'a que faute. Y'a, y'a benatala. Bon, moni, oh, non. Bah, relaxa, bino, que nous avons des citoyens congolais. Ah, congolais. Yé, oh, oui. Bozo, moi, n'a qu'à moi, n'a pas voyé ma tête, il va utiliser que paye des solutions azotées, c'est-à-dire de l'azote, n'a pas plantation, n'a pas soit à côté. Mais, de toute façon, pas qu'il n'a pulvérisé, que y'a, bah, engin, y'na. Car la soit, tu es où, là? Et y'a où, là? Bon, voilà. Voyez, au tal, bah, n'y'a, n'y'a, bah, ça, là. Oh non, agriculture, industrialisation de l'agriculture, ou l'agriculture mécanisée. Mais il y a maintenant, vous savez, ça, mais non, il y a. Oui, maintenant, ça attaque, me dit. Alors, Baninga, avant tout ce que tu fous là maintenant, tu zong et la macambo, il va exproprier. Il y a, oh yo, tu retends à souba comme la bangwa, comme bangwa la bazo, bangaka, mais que t'en va kumwa ba awa, va exproprier rina. Fixons l'indemnité juste et préalable accordée aux expropriés du lieu dit. Bande littoral de Matombi, département du Kwilu. Bébaki Zonziao, et Talibino, et Talibino. Donc, ça, vous allez me dire, Binabino et Talibino. Ça, vous allez me dire, normalement, vous devez être content parce que là, on est en train de mettre à nu, Bantu Nessal Mambo Aimbi. Mais ben, vous avez, ou à Fosso, ben, ou Bakaya Mambo Fosso Aimbi. Là, vous comprenez pas, ni Bino, ou Tabis, et Tabino Passi. Ou Tala, ma vidéo, je vais vous mettre, il y a d'autres vidéos que vous n'avez pas regardées, je vais vous mettre à votre disposition certaines vidéos, Babo Tala, parce que j'ai vu quelques vidéos circuler sur les réseaux sociaux, mais tu as et la historique, à moi, beaucoup Tala, Nengenin Makamwe Banaki. Entre temps, je vais demander à Réjean, tout le monde, bande publicitaire, ou Pemakou, ou Ambassa, Babo Tala, mettez éduqué, mettez ça qu'on bar, mais mettez éduqué, bar, mais moi, je vais ça pour la régie, s'il vous plaît. À tout la mettre page. Voilà, nous avons aussi l'affiche du Paris Colis Express. Rapidement, avant tout le bel mois, épisode et Mbela quand même. Il faut que je vous mette même Mbela. Voilà, tiens, quand même Mbela. Moi, épisode et Mbela, Botan, Mbela, à Colis. Mbela, Bandico, Sala. Hein, pas cette fois-ci. Alors là, vous avez Paris Colis Express, le numéro de téléphone qui s'affiche. Nami Chouabène, 06 67 95 20 66. C'est un numéro WhatsApp aussi. En même temps, Benenda Bokiliandi. Benke Bokila, numéro Yahi. Dans ceux qui veulent déposer leur colis, voilà, pour la semaine prochaine, mais donnez, envoyez déjà vos affaires, c'est mieux. Il y a d'autres qui envoient par courrier, hein, ça arrive, sans problème, par tout l'adresse, par exemple, l'adresse, par Tini, dans la pause, c'est commis bien par colis, Simon est commis au lieu, parce qu'il y a des gens qui habitent, par exemple, à Marseille. Il y a des gens qui sont à Grenoble, sous son livre, ils ne peuvent pas faire le déplacement pour un colis ou bien une petite lettre.
batiango na la peau c'est comme nango tranquillement. Donc il y a plusieurs facilités pour ça là-bas. Si vous banal bloc en gros se déplacer t'es pas qu'au benga moto mais le déplacement est payant. Donc ça c'est Paris Express colis hebdomadaire à 10 euros. Express c'est 25 euros mais bon aujourd'hui nous assurons beaucoup plus l'hebdomadaire qui est à 10 euros. Alors Baniga, peut-être tout la belle moi épisode Yambela. Mettre de demander à la région tout la bête épisode à Mela Botan, à Mela à Koli, Mela à Komosala, Makamo, Mingawa, Mela Yandi Yai. Mettre de talia l'épisode, pas cette fois-ci. Yahoui Yai, épisode à Malma, de la bête tout la bête, Yahoui. Mela. D'où viens-tu? Je viens de prendre part à une réunion de notre mutuelle. Oh! Mais finalement, tu fais partie de combien de mutuelles? Hein? Je suis dans 7 mutuelles. 7? Mais ce n'est pas possible! Tous les jours après le boulot, tu assistes à une réunion de mutuelles. Ah! Où est ta dignité là? Hein? Mais tu es une femme mariée! Qu'est-ce que tu veux dire? Toi, presque toute ta famille est ici. Moi, par contre, je suis seule. En cas de problème, qui viendra à mon aide? Qui? Fais attention, Mela. Je t'avertis. Le jour où je te surprendrai encore, en flagrant délit d'adultère, je commettrai un crime. Sia, on a peur, ma. Mais là, il y a un vrai qui pialla, quoi. Mais là, il y a un vrai qui pialla. Pas cette fois-ci, Baniga pouvait retrouver les épisodes sur YouTube, donc, et puis après, je vous donnerai les coordonnées pour ceux qui veulent aider les producteurs, réalisateurs, il faut donner un coup de main à tous ceux qui entreprennent au Congo-Brazzaville, parce que ce n'est pas toujours évident, et surtout dans le contexte Yabeto et le Congo, ils n'ont pas donné la place dans la culture. Vous voyez, par exemple, de la comédie, pareil, les places, les alités, bah, encourager, bah, monter, télé, Congo, on peut s'abîmer une place, dans sa tête, télé, pointe noire, on a été sur Kenini, on peut s'abîmer une place, c'est bon, les amis, nous allons maintenant revenir avec tonton Hugues Golondele, le saint des saints, le propre des propres, le beau-fils le plus propre, celui-là, on ne trouve jamais une pauvre faute. Mais depuis que tu es pinglé, tu es bien métal. Je tiens à rappeler, sans se tromper, hein. Après, vous allez toujours entendre que les gens vont dire non, ce n'est pas Hugues Golondele, ce sont les fanatiques. Bon, enfin, en tout cas, même si ce sont les fanatiques, chaque fois, ce sont les fanatiques de Hugues Golondele qui réagissent, mais lui, il ne fait rien pour arrêter ses fanatiques. En tout cas, ce sont les officiers de Hugues Golondele qui ont essayé de mettre en place cette machination pour faire peur aux ex-propriétaires qui sont du côté de Matumbi. Bapangamoun ben ken à côté à Matumbi, mouke pesa ben tete message avant bet zonza. Peut-être ben comprendre mon ouvé. Peut-être le mou zonza ka ben comprendre ouvé. Mou zonza na ki Congo, parce que je suppose que nous sommes dans le cul de ben kouwa ki Congo. Et que Congo mounou ya ki accessible. C'est-à-dire que mambo mena vous savez nous mambo une bête mes onze à une benena vous dit là car benena vous onze car ben comprendre peut-être v m'a accordé ben moi faute mais quand même il faut me blâmer ben aussi et moi que blâmer ben c'est pas parce que ben que papa ben maman beaucoup là que blâmer v il faut me blâmer ben quand même parce que mambo ben mes ça là ben que j'avais tant ya kuboki le mounou pour que parce que me comprendre ben comprendre ben attaque qui me v ben ma papa beaucoup la fausse yina pas qu'il manipulait Beno, Ben Messala, moi, théâtre, Ben Messala, et puis bon, voilà, et si qu'il l'ingue, Ben Mekouzoa, mais vraiment, mes personnes nous voient qui a de Ming. Maman m'a tombé, Yina, n'a pas exproprié que Ming, pas que Foutaba Bambo, Ben Manga, Ben que Zonzila y avait, Ben que Zonzila, quand c'est Ben Talamoa, Magou, mes côtes, n'a qu'à Tchikouna, Ben Talaka, Magou, Magou, y a Ik, Ben Talaka. Au départ, Lis, Mos, Ivandina, Beto, Bapessa, Beto, Yao, et à la Babanda 68, et à la fin, Ben Mekouma 275, Ben Mezonz, ah,
Mais ça, il y a une différence entre 68 et 75. Mais tu me demandais si ma liste est à quelqu'un qui est à Tchikatchikouna. Mais vous avez Yao. Donc, on se contente de ça. Comment se fait-il que Yinba Salaka, décret m'a signé, liste m'a bien signé que Yao, m'a salé, Yao, Yao. Maintenant, il y a Bename Kouma. Bon, si on veut bien, même si c'est pas que ça il faut savoir les Nazimana à 215 personnes. Il y a un peu rare. Bon, bam, qu'elle veut. Bam, Zimana, 215 personnes. Bam, réactualiser. Bam, tout là. Bam, Kumbu, il y a Bantuna. Bam, Zimana, Kabal. D'accord. Bam, tout bas, analyse. Bon, ben, me coin, t'as, bam, montre, bah, pisa. Quand on a quatre coups, ben, me coin, t'as, la papa, Hugo Golondele, y'a dit, n'a qu'un ministre, y'a la République, y'a dit, bam, me pisa, y'a dit, 365 millions. Ben, y'a kaka, bam, me pisa, bah, 1 million, bah, 2 millions, bah, 3 millions, bah, 500 000. Moun, metal, y'a qui a dit, ouah, faut soka, y'a, moi, ça me couzoa, 365 millions. Moun, va dire, zola, que ben aussi, ben, couzoa, quand même, moi, bah, bon, au lieu, bah, pisa, ben, 5 millions, peut-être 10 millions. Moun, va dire, nous, ni ben. Mais t'as la benne ou faut vous avez il va mes amis se venir dans quatre chaises toi benne ou bien même mal pour réfléchir benne commencer zone ah non papa de commencer à faire non au contraire il nous salaka c'est parce que mon a comprendre veut froid face au mon nous a que Hugo Golondele originaire de Gamboma il y a des gens qui font toto dans ma tombe kuna moi ça je ne sais pas en tout cas nous avons vu ceci il y a des gens qui vont dire que na Gamboma il y a des mecs qui ça na pointe noire na côté mantombi il y a des mecs qui font toto donc na groupe il y a ben onions expropriation de salaire il y a ben font toto qui devient mantombi kuna attends nous devons vendre ma toto kuna mais l'outil là il y a Hugo Golondele il y a un gouzoua pour que Hugo Golondele a gouzoua 365 millions. Na kachukuna groupi na ba inzo nyoso ba tunga kuna kaka inzo ya Hugo Golondele luta ki toko kuna ya ben nyoso sa la décalage entre le plus haut au montant c'était 28 millions et par rapport na par exemple na mbongo ya comme la banque bouclaire et par rapport na 365 millions ya différence ici donc ben mosi ya men qui était ben ové moi tu kani yina c'est-à-dire pour me comprendre ové bon, Hugo Golondele, mais tu es un banana voisin aussi, voisin Yandina. Mais l'outil Yandi, Nanpangu, domaine à voisin à Hugo Golondele. Voisin à Hugo Golondele. Il met l'outil Yandi dans le domaine. Il y a même l'outil Yandi, il y a aussi l'outil qui toque Yina à Hugo Golondele. Il y a bien vitré, il y a bien vécu. Il y a bien vécu. Hugo Yandi, il y a même pas de 10 millions. Hugo Golondele, 365 millions. Il met en jeu la justice. Si Hugo Golondele me doit pas 365 millions, ça suffit peut-être, ben, aussi, ben, je vais avoir 50 millions. Ni ben, mon anouanina. Mais maintenant, ben, mettant l'IA, ou y'a mes kouma. Oh non, papa de commencer à faire. Mais qui, papa de, au contraire, papa de gagner anouanina, ben, non. Mon truc, anouanina, ben, ni y'a ni ben, qui fing, ni y'a qu'à, n'a pas chose à mambo ming. Donc, il fallait que moi explique, ben, non, quelle va, ou puis démarche à mettre au vandique. Démarche. Et puis, n'a pas t'amour, ben, kumbo. Oh, papa, n'y a moun. Y'a ça, m'a ben, n'a pas même, moi, n'a moun, n'a pas d'un internet, y'a me quoi, n'a pas tapé site, journal officiel. Y'a le que vous avez un chiffre, y'a, n'a pas kumbo, y'a. Si besoin, vous citez, ben, y'a, c'est public. Y'a que veille à Boubumana. N'importe qui a accès à ça. Ben, fungou, ma koutoua, ben, non. Peut-être maintenant, kou, wave. C'est-à-dire que n'importe qui, l'éna, fungou, là, ordinateur, y'a même quoi, des sites, y'a. Y'a que veut, tu vois, ça soumet, bouma, y'a, on a quand y'a une joie, y'a, ou un tel, non. Y'a que sur le site. Oh, y'a journal officiel. Y'a la République du Congo. Donc, n'importe qui. Ben, pas qu'à 200. Y'a ben, salaka, y'a ben, vanda, kakou, n'a pas champagne, ben, vanda, kou, n'a, ben, commencer ça, la veille. Y'a ou y'a. Ben, quoi, kou, ben, y'a, ben, y'a, ben, y'a, ben, ben, pesa. M'la moune, hugo, ne, 305 millions, il y a un peu de mon abdalak. C'est un peu de mon yibi, il faut expliquer mes toyas. Et malheureusement, ça m'a bien pas de mon. Vous avez ce parmi Bantu, qui n'a qu'à l'issue, il y a Bakaka va vendre à terrain Kuna. Bakaka me boki la mounou. Ils sont surpris na Kumwa Baka na Kachukuna. Bame boki le mounou. Bame you full moon, wafo so mouke sa na kwen pak mo, mouzaba mouve, mouke fena ma pangu kuna, ma pangwa mouke koti a kaka, wafo so kuba Bantu, kena kachawa. Donc, ben metala. Dieu est de notre côté. Là, maintenant, qu'est-ce que vous allez dire? Donc, vous comprenez que lorsque je suis en train de vous dire, Bantu, bama ajouté baba kumu na kati awa. Na kumu bama ajouté ba. Bama pesa ba mbongo. Peut-être mbongo yina si ba pesa ba ve, ba zola pesa ben. Bana vuna ben kwa re pesa ben ve mbongo. Mais ben, ba si ba pesa ben ve mbongo. Donc, ben pensez, Hugo Golondele a 365 millions. Parce que ni yandi même manipulé ben, ni yandi. Parce que Hugo Golondele, l'enke Félix Bantu en a quoi 365 millions, ba ke pesa yao. Ngenge ke na 2 millions ya yinge me kuzu fing munu awa. Nge ba ke pesa nge be kima. Parce que ngi mosque sa démarche en a quoi ba mbo. Ni fosi ba ke sala. Ku pense ben ya zozo, ya men zozo pilina, ben ba ke pesa ben jak fembo ba beno, ben ba ke no. Na 4 mars. Ba za sa ndi le mosque kele. Parcelle, on peut prendre 20 parcelles. Ndi la,
Nababima, si vous comptez ma parcelle, on dit la moue fioti. Il y a peut-être à tout casser, mais que vous avez 30 parcelles. Mais là, ça va être indemnisation 120 parcelles, basikapuna. Il y a un yibi. Banque de la bambongo. Il y a quand même malumanu. Mais que j'en sais, vous n'avez pas pensé qu'à ma maman, venez à la matinale. Ben t'as lavé la matinale, ben t'as quand boubia, ben t'as dit à mes enfants, ben je suis commandé, comment nous passons ici, on a dit, je sais pas comment l'appelle là, Nombo François avec 6 millions, si ben Isola, Kwanga Sylvestre Marcel, 6 millions 750, Mavungu Claudine, 2 millions 500, ben mes enfants, vous citez ma combat ben là, vous citez ma combat ben là, ben ils ont attaqué mes enfants. On a ben Youfou là, ben Azodaba, Delo Claudia, 6 millions, Safou Tati, 6 millions, Bwiti Viodo, 6 millions. Dans vous, Bwiti Bwedo, ben vous avez son mot. Bwiti Viodo, il est l'enfant du pays, na pointe noire. Il y en a qui fait un bon, on est là sous ma domaine, il y a un outil là, Hugo Golondeleve, il y a un couzoa, 300 millions, attends, moutou me couzoa 50 millions, attends 100 millions, attends 200 millions, attends 300 millions, attends 350 millions, et quand il y a 365 millions, ça peut pas intervenir. Moto, yan yay, moutou, moutol, yan yay, moutol. Ça, ce sont les grands noms du Kwilu. Hein, il y a qui va grand nom. Combien me couzoa? Me couzoa kaka 6 millions. Ben, il y a, ni 365, il y a, ni pas ça. Ben, égoïsme, ben, il était comme un sonza, ou, beaucoup de bongo, il y a que, parce que j'arrive un bongo, ben, comment ça, ça va veiller de prière, oh, ouah, faut sauver ça là, ben, degré à vous, zobaïna, ouah, côté, y'a mes katoukana, ben, y'a qui, quoi, on dit, il fallait vous avis, ben, y'a, maintenant, ben, commencez, quoi, la tête, dans la région, vous, qu'est-ce que c'était, ben, bah, comme encore. Donc, vous, qu'est-ce que c'est, quoi, ben, y'a, zonza, qu'on a, vous, qu'est-ce que c'est, la République, ça va, quand même, être ça, ben, peut-être, ben, vous, vous, par exemple, 2 millions, ou 4 millions. Imaginons que non, après que Bethlehem de montrer escroquerie ou yibiyaï. Maintenant, les autres, ah non, c'est pas bien, on va refaire yao. Si ma pèse n'est 10 millions, est-ce que n'est-ce pas mon kim? Est-ce que n'est-ce pas mon kim? Moi qui cuise même pas na yinjou, n'est-ce pas demander que pèse mon jus? Est-ce que n'est-ce pas mon kim? N'est-ce pas l'ansai? N'est-ce pas que vana yenge, qui est en train de se faire, ou divorce, comme c'est ça là, ou la famille zoa goud yenge, donc n'est-ce pas 4 millions, 6 millions, n'est-ce pas yikama, n'est-ce pas bao, n'est-ce pas vraiment bien? Na yin zo akon voyager, ge ke voyager normalement. Ge pense na vous voyager na pour toi wa, ça avec les 4 millions là. Parce que n'a pour tout quel cher hein. Donc si ngeme vous vraiment bon anglais bien 10 millions, 20 millions, ge ke kuis ça, nous tout anglais, il est où le problème? Est-ce que mon ke pas compte pas pèse 20 mbo? Ça on a que mon ke chose la pèse, mon zo la ba pèse 20 mbo wo yin me fois na kana. Mon ke na pour comprendre ve wa façon Hugo Golondelé, il y a que la 365 millions, bébé que na ni ya fiot. Ni ka mon zo ça, mais beno, ba na zo la beno. Ni moun bel ke finga. On ne ben zoza yu ke mouyibi, ni moun bel komanse tala, bel komanse daka la kiska misapi. Ya ke soud. Mais il faut pas Congolais tala bouzo babin. Les Congolais vont voir votre idiotie. Ils vont voir ça. Les Congolais vont juger. Nous allons repartir à la régie. Je vais vous mettre la première vidéo. Vous pouvez demander la vidéo, que ça la première vidéo, parce que en fait, il faut ben zaba phénomène wa fosso ya bandak. Ce sont les gens qui se sont retrouvés dans une pièce. Na kusala et machination yina. La régie, s'il vous plaît. Mais que tout n'aille à ben ketala, c'est comme si ban pensait qu'ou foi. Baba en pensait, sinon, il a veillé. Les babes fils, moi, je croyais que non, on m'a annoncé même à veiller. Ben talia, la régie, s'il vous plaît, première vidéo. Ben itala ya, ben fungola. Ba lenda turukane en grand écran, ba ka tout le monde écran, bon. Bon, ça peut rester comme ça, c'est pas grave. Ben Keta, non, on peut me remettre de, dessus, il n'y a pas de problème. Pourquoi vous commentez bien ya? Parce qu'au fur et à mesure que vous commentez. Donc, il y a ben talaka, ba mettre aussi ma fleur, quoi, moutou me koufoua. Ba ou ya na katia inzo, il y a président collectif. Bonjour, monsieur de Cobris, je vous fais un droit de réponse par les membres du collectif du bureau des exportés de la bande électorale Matombi Bakwilo. Je suis le président. Makoso Moutou Michel. DG de Mamomi Service. Président de la Fondation Mamomi Développement. Président de l'association. Association Makoso Moutou Michel pour le développement du Kwilu de Pointe-Noire. Président du collectif des expropriés de la bande littorale Matombi Bakwilo. Réunis avec tous les membres, on te fait un droit de réponse sur tes propos que tu as tenus sur l'étoile. Monsieur Brice, il m'a été mené de constater, et je suis très indigné des propos que vous avez tenus à la toile. Quand on ne va pas monter l'enquête, on n'a pas droit à la parole.
L'histoire de Matombi est complexe. Quand le ministre, premier ministre Isidore Mvouba avait saisi le juge de référé du tribunal de grande instance de Pointe-Noire, obtenant l'ordonnance pour la démolition de Matombi, nous avons interjeté l'appel à la cour d'appel de Pointe-Noire, dont nous avons gagné. Malheureusement, la loi du plus fort. On a démoli Matombi en 2008, on était presque abandonnés nous-mêmes. Par le ministre Lamir Nguélé et Mavoungou Koussou Martin Parfait, le ministre de la Marine Marchande et Lamir Nguélé étaient aux affaires foncières. C'est les deux qui ont démoli Matombi. En ce temps-là, personne ne savait que le ministre Mabiala pouvait être même ministre. On était abandonnés en nous-mêmes. On n'a pas eu de journalistes pour parler de ça. En dehors de quelques journalistes de TPT. Jusqu'en 2010, le ministre Mabiala est venu. Il a mis une commission d'enquête parcellaire. Première enquête parcellaire. Qui a été faite. On a publié, ce sont trois personnes. 2010. Lors de la rencontre citoyenne du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, Yadenges, avec le peuple, fils et filles du Kouilou. Au village de Voli, j'ai pris la parole devant le président pour poser le problème de Matombi. Monsieur le président, plusieurs personnes ont été oubliées. Le président indigné, par pitié de sa population, se place, l'a donné les ordres au ministre Mabiala de récupérer tout le monde qui a été oublié. Le ministre Mabiala a mis une commission en place. Nous-mêmes, nous avons recensé les gens. Nous sommes allés à Brazzaville rencontrer le ministre Mabiala. Le ministre Ngolo Ndele ne savait pas, mais puisque nous on connaissait ce terrain qu'il avait payé chez un parisien. Il a été surpris quand le ministre Mabiala l'appelle devant nous. Monsieur le maire, il y a votre bureau qui est ici, voilà, voilà, voilà. C'est ce jour-là même que le soir, le ministre Ngolo Ndele nous a reçus pour nous remettre son dossier. Il faut arrêter de balbutier, il faut arrêter de divaguer. Le ministre Mabiala a fini de faire l'enquête parcellaire. On l'enlève, on l'envoie à la justice. C'est le ministre Nkrousou qui arrive. On monte à Boza, on voit le ministre Nkrousou. Il demande une autre enquête parcellaire. Donc, troisième enquête parcellaire. Tu connais ça, toi? Brice. Toi, tu connais ça? Troisième enquête parcellaire que nous allons subir. Conduite par M. Boukono, son directeur de cabinet. Du ministre Martin Parfait Nkrousou Mavoungou. On a fait troisième enquête parcellaire. On a publié l'arrêté. Je n'ai pas préparé le document parce que je suis très énervé avec toi et très fâché avec toi, connard que tu es. L'arrêté numéro 49, c'est 2017 si je ne me trompe pas, a été publié par le ministre Nkrousou. Pourquoi tu n'as pas parlé de ça? Soit disant que tu connais le dossier. Bon, les amis, vous venez de suivre la première vidéo, rien à dire sur ce monsieur, donc il a l'air un peu quelqu'un qui est un peu est diminué, donc on ne s'attaque pas aux faibles, et je vais tout simplement dire, et autant plus qu'il est chef d'entreprise, ce que j'ai compris, donc il crée de l'emploi au Congo-Brazzaville. Bon, vous avez compris à peu près comment il explique le problème, voilà, et voilà, il y a Dengues. Et par pitié, il parle de pitié alors que c'est un droit. Et vous voyez bien que là, lorsqu'il s'explique, on comprend absolument rien. Bon, enfin, il y a quand même des injures connards. Bon, je prends, c'est pas grave. Yandi Namouké, pardonnez Yandi. Mon cher Makoso, parce que moi, je sais que Makoso, je crois. Donc, lui, je vais l'épargner. Yandi Bétibik Yandouan. Je voulais bien pour que Bétala, le cadre dans lequel Bavandik Batong.
Hein, ils se sont retrouvés dans une maison chez lui, Bami Fanda, Papa Minene, Yanene Fosuina, Bakna Buzonzaka, pour parler de déco et pour insulter déco. D'accord, très bien. Yinayad Mimanissa, je vais maintenant faire intervenir une femme. Une femme, Yandina, Yambakak aussi parole. Yandi, Yamezoz aussi en ce qui concerne Mambouyaï. La régie, tout la bête au vidéo, Yamamaya Izonzaka. Comme nous a payé, bête mes bon. Mais il y a fois que la rue est normale, va. Il faut que les gens soient en guerre. Papa, il y a vraiment quelqu'un qui a dit. C'est normal, tu n'es pas digne d'un homme. Hein, papa? Il y a critiqué les autorités en guerre. Mais il y a des gens qui ont toi, tu n'es pas un Français, ce que je sache. Tu es un Congolais. Moulari, tu es un Moulari. Quelqu'un se permet de faire maman bien façon. Oh, on a attrapé le volet. Il y a tout une photo à la télé. Mais il y a quelqu'un qui est là où? Il y a quelqu'un qui est là où? Papa. En tout cas, moi, je vais te le dire. Il y a quelqu'un qui est là où? Il y a quelqu'un qui est là où? Lui, il avait une belle maison là-bas. Avant, il y a quelqu'un qui est en belle vitrée. Il y a un coût de 365 millions. Il y a un problème qui est là où? Il y a 20 millions. Il y a 20 millions. Il y a calculé dans ma pangue. Il y a chaque monde. 500 000 par terrain. Arrêtez à tête de facturer 1 million. Il y a 500 000. Comme vous avez fait un peu de temps, vous avez fait un peu de temps. Donc, vous papa un peu de temps. Vous avez fait un peu de temps. Vous avez fait télé matinale. Allez, tu es là à critiquer les gens, à parler le mal des gens. Mais tu. Même moi, je ne peux pas faire ce que toi tu es en train de faire là. Hein, papa? Où est le pays qui est en train de faire nickel? Où est le pays? Quel pays? Pour même Zambi, Mouti di Kabeto, ça l'a fait que Betnos van ba riche. Il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des moyens. Tout ça, c'est la volonté de Dieu, papa. Qu'est-ce que toi tu veux changer? En critiquant le gouvernement, tu vas changer quoi? Ministre pauvre de lui, le premier ministre n'a rien fait. Fingiandi, le traité de tout. Papa, tu es sûr? Si tu es au Congo, tu vas tenir ma propos. Si tu étais aussi au Congo, tu vas tenir ma propos. Il y a une zone. Fing ministre, premier ministre. On couronnait tout. Monsieur Mabiela, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Bien, moi, président, il y a des dossiers. Mais si c'est mon temps, qu'on a pour ça, que vous tous le pauvre qui est malade, qui est dans le bon, il y a un voyage, il y a un soigné, ma boîte. Batmi, qui est dans le cas, il y a un zone. Il y a un jour, il va démolir ma tombe. Il y a un coup là, il y a un coup là, il y a un coup là, il y a. Mais papa, cruel ninge, moucha imbi ninge, gouvernement vin, babat ming bake futa bazarita ou papa, on n'a jamais vu ça, jamais. Jamais, mais tellement bon maquia, pour une première fois, mais tellement bon maquia, tu vas m'assez indemniser babant, et que n'y a katou koukou nange ban kou kritike bapang. Ge ban kou kritike dehors, tu fais ça pour qu'on ne nous paye pas. Ge na cela pour que ma foute vebeto. Le mauvais c'est toi. Parce que tu allais d'abord comprendre que ah, il y a 500 milliards qui sont ici. Et que les même que non, il y a quelqu'un qui est en comme tu n'as rien à faire. Si tu as tel mouche, il y a quelqu'un qui est en gouvernement et l'État congolais. Il y a quelqu'un qui est en train. Soyez un peu sérieux, papa. Ben ke kim na putu, ben ke nous diam, kuna, ba tramador, kuna. Benke kumba pede, kenal ba pang ba bakala ale, yake baloul ben pa yitu ale, benke kumba na kufinga gouvernement à Congo. Papa, faut arrêter. Malédiction, yake fait sur place, yake kounda titama. Fonga arrêter, papa. Singa zola tal ba mnomba ba ket me fing nge, me ba nimi nge ba ket ya ba ville, me ba nimi nge papa, me lak singa na matakwa bao. Gezo vwa na kia den zoutu ange. Il y a une malédiction en game aussi. Hein, papa? Il faut faire très attention. Vraiment,
Monsieur le Premier ministre, je commence par notre président Denis Sassou Nguesso, qui est notre papa. Monsieur le Premier ministre, monsieur le ministre Hugues Ngondélé, vraiment on est désolé, papa. Tout ce qu'on peut vous dire, qu'est-ce qu'on peut vous dire? L'invoquer la papa. Ben que l'invoquer là toujours, là-bas que ça, ben mambo, comme dit notre président, j'assume. Ben l'invoquer là. Il y a quel est le diable mais qui compte n'ayant pour que bah foutre bébé tumbongi aye mais en quelque tel sonny on va nous payer au nom de Jésus bah que foutre bébé tout mami yenge coq yenge même na putre qu'on a catch à métro bah diatige mais ça le même accident bah il qu'on a catch à métro bah vous kungé une fois même na nzine qu'on a traversé bah diatige ndoki mami yenge mou maison yenge mami yenge kou niya mata kya mama yenge kou nwa masubi papa yenge sorcier, imbécile. Nous sommes au mois de mars, le mois de la femme. C'est une femme, je n'oserais pas parler à une femme, je laisserai les femmes s'en occuper. Maman, je ne sais pas si kaka, c'est vraiment maman. Naba ajange meza venge ke akukula fosonge kele yayi de que se permettre na kufinga mama yinde na van même mamange de na van même mamange d'autant plus que mambo ya mwina zonge na fing munu ya ke ve mambo na kuzu fing mama munu muna comprendre veyi ki mama mon me kuis sala nge donc mo ke pese nge ve parce que mo ke zola zoza na ba bakala nge ke kento ça dit que nge ke nge ve ministre aussi. Nous avons dit que 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 nous avons dit. Une femme ne parle pas comme ça lorsque tu dis, même lorsque tu me promets la mort. Imaginons, ma chère très sœur, ou bien nan moulenda bokil, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous. Comment tu peux souhaiter la mort à quelqu'un qui vous veut que du bien? Comment est-ce que tu ne peux pas avoir la vie la vie? Puisque vous avez dit que Congo, comme tu as dit que les femmes vilient, c'est ce que tu as dit que les femmes vilient, mais que tout le monde a dit des bêtises là, tout ça là, tout ça là. Qu'est-ce que ça peut t'apporter? Lorsque tu as dit ça, ça t'a soulagé, c'est ce que je disais. Peut-être que je comprends le but, il y a même un but de salaire quand on a pensé dans ce sac. Parce que tu vois, tu es parti loin, parler de Mabiala, du Premier ministre. Tu vois que ça a été télécommandé, tout ça là, parce que je ne vois pas qu'est-ce que Mabiala vient faire là. Je ne vois pas qu'est-ce que le Premier ministre vient faire là. Parce que je lis, peut-être, vous avez une maison. Mais je vais laisser les femmes s'occuper de toi, maman. Dans la matinée, il y a tellement de femmes, des belles et des bonnes femmes. Quelque part, qui peut kanger, qui peut kanger, mon nouvel. Bah qui pingue, hein? Bah que personne, quelque personne aussi réponse. Bah quinto, peut-être qu'on a bas ou, bah quinto, peut-être qu'on a bas aussi. Bah que personne réponse. Bah que personne réponse na hauteur, y a membre une maison. Ça, vous avez, si tu vas apprécier. Mais toutefois, ce que je dis, je suis. Y a maintenant, on a la tiade ça mon angé. Y a na ça mon vrai tiade parce que n'importe quinto, n'importe qui se finge à maman. Il ne l'endra vendre maman angé. Voilà. Des âmes même pas. Mais qu'est-ce qu'elle en a à voir, ma pauvre mère, dans cette histoire? Laisse-la là où elle est. Tu connais son âge? Tu connais pas son âge? N'est-ce qu'il y a un raisonnement limite? À la limite, qui nous est là de demander? Parce que moi, bon, peut-être que je vais pas faire ça, sinon, il y a des gens qui peut-être pas si je vais faire ça. Donc, t'inquiète, si je vais faire ça, c'est que je vais faire ça. Si je vais faire ça, je vais faire ça. Ne fais pas de ça. Donc, ce que moi, je voulais tout simplement, que non, une femme ne se met pas là à insulter une autre femme. Tu n'insultes pas la femme, tu vas même trop loin. Tu es une femme, si tu connais, si tu as porté une grossesse, tu ne peux pas. Si tu es la maternité, tu ne peux pas. Parce que tu donnes la vie. Tu es une femme. Tu es une valeur. Laisse-moi que tu ne faut pas penser pour Zitou. Parce que c'est vous qui créez ce monde. Vous faites beaucoup de choses dans la vie. Donc, monde normal, si vous avez un monde qui a un finger, il faut vous tenir la main. Mais vous avez quelqu'un qui a un finger, il faut vous tenir la main. Il faut vous tenir. Ma chère, peut-être dans ta vie, là, ma mère t'a déjà même aidé, même pas. Il faut vous tenir la main.
Kim Kenata Mouvre Kiadiawa. Donc, c'est comme on a dit, bon, si quelqu'un peut me retrouver son numéro, ben les amis, si y'a un bouquin, on peut faire ça numéro à Yandi. Parce que n'a pas de faux, on figure, un maquillage, il y a faux, il y a rouge, rouge, il y a. Moi, je suis ma laine de beauté, c'est tout ce que je peux te faire. Je ne peux pas encore refaire ton éducation, je ne peux pas. Je te propose, moi, que je suis ma laine de beauté, moi, je finis, il y a. Les de beauté, les tout là, les vendre à Kitoko, les personnes qui moi, ils ont vraiment, hein, pour qu'ils vendent moi bien. Mon canine, c'est le reste là, non, big quanti. Et bien, qu'est-ce que là, que les personnes repensent. Parce que là, ce que les gens ont entendu de toi, une femme sortie de ta bouche, pour des raisons, je ne sais pas, il y a une zone, moi, je suis là, mon métallia depuis ma zone, tibou bien, moi, je demande, qui quanti. Je ne sais pas si je suis un homme, quand on monte aussi, il ne m'a pas forcé qui quoi demain. Il me semble. L'engue vous en bon angle, c'est pas la couna, il quoi. Tu vois comment il me sonne ça. Il y a des choses. Moussalik. Ou bien il y a des choses, c'est pas l'outil, c'est la matinale. Bon, il me lutte la matinale, c'est bien. Mais est-ce qu'il y a, il y a question de faire, il y a des kento, il y a des représentants, il y a des kento. L'engue qui n'a pas forcé, il y a des kento, non, c'est la talangue, il faut pas kento, moi aussi. Il va vendre indigné, il faut son gagne mes sons en tant que femme. Si vous avez tant que quelqu'un, vous avez beaucoup de gens qui ont des choses. Ah, il y a, il y a des choses. 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 Il y a des réponses aussi. Ça me libère des choses. Mais il y a des choses. 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 Ou à côté de la côté de maman. Car côté de la donc, il va désolé, il y a des maisons, il y a des cuisines, 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 de toilette, c'est tout ce que, comme tu as ta figure, moi, tu as le pili, il faut se faire, moi, tissage, moi, je me suis appelé, moi, je suis là, 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 je suis Mouke fini, même si nous avons aussi, même si nous avons accordé, mouke fini, pour y'a qu'il s'en est leçon de vie, pour qu'il y ait tellement de moyens de maison. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. J'espère qu'il y ait tellement de sonnes après. Parce que là, vraiment, lorsque les gens, peut-être que le yenge, il y a un peu de bakange, après les maisons ont fonctionné, mais ce n'est pas bon. Mambo Kelvé, les amis, si les femmes veulent répondre à cette dame, je laisse le soin. Je n'ai pas le temps de parler aux femmes, plus d'autant plus, moi je parle aux femmes, par exemple, c'est son ministre, mais une femme, une maman, on ne sait jamais, c'est une maman, c'est la portée surtout des enfants. Non, ce n'est pas, ça ne s'explique pas. Voilà, maintenant, je vais commencer à faire un peu de temps. Je vais faire un peu de temps. Je vais faire un peu de temps. Je suis M. Samba, le jeune déco. Franchement, je ne veux même pas t'appeler monsieur. Parce que, comme tout le monde en parlait, tout ce qu'ils ont dit là, c'est les mêmes choses que je pouvais peut-être encore dire. Mais moi, qu'ils ont dit, je suis là, je suis là, je suis gouvernement, canal là, je suis là, je Facebook, na WhatsApp, il fallait qu'il y ait quoi. Parce que profiter de l'outil à Sabine Bansoni, mon baka courage, mon zondila, mon WhatsApp, na mon Facebook. Mais ça, mais l'outil à Tamia, mais bantou à l'auka. Même quand tu l'auki, c'est que tu beauté. Bien. A ben, que déco yancha savon. N'inka tika déco ou bien, je sais pas, tcha déco ngewena. Vraiment, tcha rita ting. Quand ils ont zaka bobungiko, mais normalement, mais ils ont zaka maintenant en face, il y a mounchou. Mais vraiment, nous avons mis un peu de temps à faire des choses. Mais nous avons dit que 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 vous voyez, même lorsque la dame a parlé, elle a dit que ben balari wa foso ben kele. Vous voyez, ce pays-là est divisé. Il n'y a pas d'union dans ce pays-là. Ils ont appelé ça combien nous avons côté. J'imagine peut-être que Ville nous avait, mais ben Larry Wafoso Ben Kele. Regardez quelqu'un qui parle comme ça. Tu veux créer quoi? Un conflit entre vous et les Larry ou comment? Je ne sais pas. Et cette dame, lorsqu'elle parle comme ça, il y a un dia aussi. Ah, il y a un qui est Larry, nous avons dit qu'il est Larry. Il a oublié que je suis Congolais. Certes, ma mère, elle est Larry, mais tu n'as pas évoqué mon père qui est de la Likwala. Pourquoi tu ne le dis pas?
Pourquoi tu n'as pas parlé en Bomi, Tabo et Niélé là-bas, tout ça là? Pourquoi tu n'as pas parlé? Tu aurais même pu parler en Tiké ou bien en Mbouchi. Je vais comprendre que vous quand même à Bamo. Pourquoi? Pourquoi tu vas t'exprimer en Lari? Parce que tu dis que nous avons besoin de Lari. Quand nous avons besoin de Lari, nous avons besoin hein? Autant la dame, j'ai pris beaucoup, ça dit que de maîtrise pour ne pas parler. Puisque tu es identifié, tu es comme un lari. Donc oui, j'assume, moi je suis fier de mes origines. Nkumbuyi beauté samba. Bakourine. Mais les banza ba lari, ma yela ma banao. Bantu ba koule poule, ba tout elati, ma yela menao. Donc on ge wa kula kula bobo sakale wo jingili moko. Donc lundi wa bonga ntangu ko, wa bonga buku, wa tanga, wa tala, cha misamba zonze. Ou bien tu wa tanga video ya yam tsundi ne bashidi, akam wana bakala wo zonza kum putu wuna, sa mounwa, mou Facebook, ancha sa mou kateli. Donc on ge, bobo nene bobo enako. Bakale dia kula kula na muscle zonze ntam wana ko, lundi wa baka ngolo kochi, wa zubula livre, wa tanga. Donc vous avez tanga ko. Ah mais banza ba lari ma yela mena nkumbu samba ngi fama ukatula nkumbu yo ku ji sa porte nkumbu ya inene inene. Moi j'ai connu du samba intègre. Ah mais kumbu samba yo yo bujitwe se yo samba ya betu ya le Congo bia ku Sénégal. Mais les banza ba lari ka ba sa dia zonze ko. Mais les banza ba lari sont terrorisés. Mais les banza ba lari ka ba sa dia zonze ko. Donc vous l'avez de wazu dia lari ko kangé zonze le ngi tu assume que ngi mu lari we kungwa ku samba donc fois que zonza ku zonze mu lari akangwala mo ba sa bombarder pour le poule mais kana ku wa ko akuna ba sa bombarder pour le poule ntiwa lombo zonza na ku bambula ngi zona ku tela ana ba sa bombarder pour le poule ntiwa lombo zonze. Et là, la mène ben ni ta nuanina, kaninge diaka ta kuisa, mouma finga, kouji finga, aboun djanchana mboa, tout ça, tchakoun tera, abobo pas sa bombarde kou le poule, parce que boubou woulou. Nge kwen an kungwa kou son, bak nge kungwa kou ti woulou, weka ti woulou, parce que anta sa comprendre ko, parce que ta la moua conscience fioti en akou. Bishikanda, Banguri Zaku, ba sœur Zaku, ba ou ba na fois Zaba, tu non, ba bat kuma, ba yenda chiku masangi, ba ele buta masangi, tchana bingo, bindongo, il faut Zaba ou, moutoua ou, il faut zoubla ka moutoua ou. Donc même à zonge la ka le poule, gen moutou le poule, ou kuisa, ou talou noirina beno, kali ba ba la tara na mbote. Oh! Il faut nous baka toujours moi mon toi le poule ou va saka manipuler va bongere bijitu la kana ngatumusa à peu près kuta monana kanin soniko akakuna ko balusa bombarder kuna tu wala mbo zonze ayenda ku le poule kakwena dia ka l'école ko njila jubidi l'hôpital ya kinkalabata to la kuna ba menana kan même appareil ko yo ba saka même examiner na koko ambombongo zonze na ku timbongo zena ko nti kwa lombo sa nti yo kasa ku le poule nti yo kasa ku le poule. Baron de l'entio et le poule nibana. Si tu ne sais pas, il faut que je te le rappelle. Il faut que nous avons singe yaou. Nei tu angege fungula. Pour qu'engege ouwa. Ah, bichi le poule. Toujours dans la traîtrise. Nge vrai ti woulou, ti tata. Nge ti woulou, ti na. Toi, tu devais être. Parce que vous, zabi yo, tu vas larima yela mena ou. Ni bo ba zabi yo. Ninge, que tu fais faire résonner ba mpona zna kwa kandi. Ya le maison zupili yaï. Ve, ya vandi foso yaï. Tout ça, nge pe wijidi. A comme katsa, ce n'est pas toujours loin. Allez, ti tuku china, tu la bakani china. Kuta mwanan soniko, beno ba kwa kula kula lukui tabi tuku tia foso. Est-ce que nsa itamon? Nge ben bo weron sa itamon? Ah! Ah, beno ba larin chilou bela. Abo pe telon bo tele bo. Bo wiji zonza, mon tibi soubeli. Anti bisoubeli. Odalou nouanina moutoua kaka. Olu la salarana pepe. Et nabef, merci. Tu nous as ouvert les yeux. C'est vrai. Je devais avoir peut-être seulement 2 millions. Mais là, merci. On aura peut-être 5 millions. Mais c'est tout ce que je demande pour vous. Qui vous a dit que non, bon, là, on va freiner. Que je suis contre. Bah, l'ouran, bah, mon brosabé, n'tchini chilas. Comme l'autre fofolle là qui parle là n'importe comment. Qu'est-ce que oh, je suis contre mon azola veva pesemel bambo. Mais pour qu'est-ce que je vais faire avec votre argent? Ah! Balari, antiloubé labo. Antiloubé labo beno balari parce que ngé comme mon lari oui.
Mouchi le poule, là je peux me permettre. Natumoku Tela, Nakuchoka Miongatoua Zaba. Parce que Makaka Bika quoi, ça va créer peut-être des problèmes. Comme toi, tu ne pourras pas me taxer de tribal. Tu ne pourras pas me taxer de tribal. Là, puisque tu m'as parlé en Lari, il faut que la réponse mon Lari, Lari, Tchanzé. Je suis Lari et je suis aussi Enyele, si tu veux savoir. Mais ben mon bagage ça mon jo banaba la roue faut semblé que vandaka oh wa faut semblé que salaka tout ça le kang ça bantou mon bloc moi je ne suis pas là. Je vais venir, comment on appelle ça, voilà, c'est son numéro de téléphone. Oui, il a gagné 4 millions. Il a gagné 4 millions. Ah papa, qu'est-ce que tu vas faire avec 4 millions tu penses? Tu vas faire quoi? 4 millions. Gisamba, ba bongele mkumbui beauté, ba bongele prénom, ba reni, ça peut porter à confusion. Misa Moussa dit que c'est pas possible. 4 millions, 4 millions, ils ont battu les ozo. Donc, bota mona, tu la vie, yangi, nous, ils sont 4 millions. Pour 4 millions. Ah, papa, ne fais pas ça. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Parce que mon cuisa devant Gentissa. Antissa. Ou qui avait la comme cuisa comme poutre, comme kujukundinga, mokundinga, wekena, botumona un peu kusa ti mako. Parce que mon bakam bongojina n'sa imbo yeku baka. Ça de la mayela. Ça de la mayela. Moi non congo mayela ma baka nandi. Ça de la mayela, tu n'es pas fier. Ça de la mayela. Parce que bouhulu ta ça de la, bouzoba ta ça de la. Parce que vous s'en manipulez. Mais pense à ton poule. Pense à ton poule qui est bombardé. Regarde l'état dans lequel se trouve ce département. Mais tu n'as pas parlé. Tu n'as jamais ramené toi. Tu as déjà dit quoi? On n'a jamais vu une parole de toi pour t'indigner. Ce qui se passe au poule. Au poule a été détruit, mon cher. Le poule a été détruit. Tes parents ont été chassés dans des buissons. Tes parents ont accouché sur des feux de bananiers. Comme des cabris et des chèvres. Mon cher, tu ne devrais pas parler. Tu ne devrais pas prendre parti. Même si tu penses que j'ai fauté, par solidarité du poule, tu ne devrais pas parler, toi. D'autant plus qu'on te dit qu'il est originaire du poule. Tu devais la mettre en veilleuse. Tu ne devais même pas parler. Parce que moi, je ne me mettrais pas debout en train de critiquer quelqu'un qui souffre, qui est dans la souffrance. Mais toi, tu te permets de jouer le jeu du diable. Parce que tu joues le jeu du diable. Je m'en suis pas pris à eux. Parce que je leur trouve des excuses. Mais toi, je ne te trouve pas d'excuses parce que tu es originaire du poule comme moi. Et lorsqu'il s'agissait du problème du poule, tu n'as pas parlé. Tu me donnes de la nausée. Tu n'es pas digne d'être appelé homme. Tu n'es pas digne d'être appelé homme. Parce que je préfère, tu vois, toi tu parles pour toi, ton égoïsme à toi. C'est-à-dire que comme ça concerne ton argent, les 4 millions que tu dois toucher, et là maintenant toi tu te lèves, mais tout un département qui est détruit, là-dessus tu t'en fiches, tu ne penses pas que non, ton département est détruit. Là tu n'as pas parlé, tu n'avais pas parlé, et aujourd'hui tu ne parles même pas. Tu as pris cause pour le poule, non, tu ne l'as pas fait, c'est une honte. Bon, ça ne sert pas parce que tant que tu as mis le problème en beauté, je n'ai pas dit tout vous canner, tout le monde, alors que ça sera seulement des regrets, des paroles, ça ne sert à rien. Vraiment, que les mâles te pardonnent. Parce que sache-le qu'aujourd'hui, il faut à Zaba, ce sont les mâles qui nous portent dans cette émission la matinale. Mais vraiment, je vais vous montrer. Quoi, oui, je vais vous montrer surtout toi. Moi, je m'adresse à toi, Tata Samba. Et je m'adresse à toi. Tata Samb, Nginsuni, Umfushinsuni. C'est-à-dire que tu m'as dépouillé. C'est-à-dire que Olongolinga fier, Olongolinga lolendo, parce que Bato le poule Bazali réputé Bato ma yede. Olongolinga lolendo, yo, Olongolinga lolendo. Par contre, là, qui s'avait, regardez-moi ce tijola, c'est un kiwulu, celui-là, Zuba, Talayona, manipulable. Tu vois, c'est ça. Je croyais que les hommes du poule étaient intègres. Et même, je te le dis, et même, si tu constates que j'ai fait une faute, cherche mon nouveau téléphone, appelle-moi. Appelle-moi. Et dis-moi tout ce que tu veux. Mais tu ne peux pas rentrer dans ce jeu-là. Pas toi. Oh, Kadiming. Baninga, oui, Zali Kaka Passi, c'est le cœur qui parle. Parce que lorsque, vous savez,
Bref. Baninga, oyo, maintenant je vais vous passer la dernière vidéo, Inbenketa la wa vidéo. Vous allez comprendre en fait d'où vient aussi le problème. Le papa Tengo, lui se plaît. Bon, lui m'a fait rigoler. Lui m'a vraiment fait rigoler. On va passer la dernière vidéo. Lui m'a vraiment fait rigoler. Parce que lui, bon, je sais pas. Lui, vraiment, il m'a vraiment fait rigoler. Mettez l'outil, c'est Tata Tengo. Attendez, après, je vais prendre les informations au niveau de la régie. Voilà. Papa Tengo, ben quoi, Papa Tengo, il est en Zozakane. Ben quoi. Il y a une vraie saga, quoi. Il y a même CP, ça vous ouvrez bien. Mais bon, vous voyez un peu l'état de notre pays. Alors, on y va. Monsieur Deko, c'est Monsieur Prosper Tengo Chimbakala, membre du bureau. Monsieur Deko, je suis très indigné. Monsieur Deko, si vous étiez, je ne sais pas si vous êtes congolais, je pense que vous avez double nationalité. Ça, les agissements comme ça, là, c'est pas bon. Vous nous avez exposés chez nos femmes. Vous nous avez exposés chez nos familles et nos enfants. Que ça soit du côté paternel et maternel. Monsieur Deko, Monsieur Brice, mais que se passe-t-il? Mais pourquoi vous avez fui, paraît-il, le pays, le Congo? Mais venez au Congo. Venez au Congo, il y a des entreprises étatiques, vous pouvez travailler. Mais, Monsieur Deko, je ne comprends pas. Il y a des expropriés qu'on paye tranquillement au niveau du Congo. Mais, comment ça se fait-il que vous prononcez les noms des gens et les montants à payer? À la télé. Vous nous, à la télévision et à la radio. Mais nous, il y a des bébés noirs. Vous nous avez exposés chez les bébés noirs. Et en ce net moment, la famille croit que nous avons été déjà indemnisés. Très bien. La famille croit que nous avons été indemnisés. Et vous allez causer même le divorce chez nos femmes. Très bien. Les agissements de hier. Et là, j'ai reçu même plus de 20 appels depuis hier. Arrêtez cela, monsieur Ligo. Et je m'arrête par là. Et vous avez insulté même nos ministres. Mais que se passe-t-il? Mais monsieur Deko, je ne sais pas quel adjectif qualificatif que je dois vous qualifier. Arrêtez. Nous devons être indemnisés dans un bref délai parce que notre journal officiel est sorti. Arrêtez, monsieur. Je vous en prie, j'en ai terminé. Bon, Yandi, lui, c'est un comédien. En tout cas, Yandi, on va le prendre dans le cadre, il n'y a que comédien parce qu'il me fait rigoler. Lorsqu'il s'exprime, j'ai sous mes yeux peut-être un intellectuel, hein, je pense quand même, parce qu'il s'exprime très bien. Hein, voilà, bon, lui, il va pas dans la bêtise, hein, il va pas dans la bêtise. Hein, j'ai trouvé encore son expression propre. Donc, mon cher Tingo, je suis désolé. Si toi, tu manipules ta femme, tu manipules ta famille, tu manipules tes enfants, je suis désolé de dévoiler ces choses-là, mais sauf que c'est public. Mais ouais, il n'y a que public, je suis désolé, c'est tout ce que je peux te dire. S'il n'y a que ça qui t'a choqué, non, ça me fait tellement rigoler. Donc, je suis vraiment désolé de dévoiler ça. Et salaire, mais mon cher, pourquoi tu veux cacher le salaire? Tu vas cacher ça à ta femme, pourquoi? Pourquoi veux-tu que ça puisse créer le divorce? Pourquoi? Pourquoi tu veux cacher les choses à ta famille? Pour ce qui concerne les bébés noirs, non, je n'étais pas exposé chez les bébés noirs parce que le paiement se fait par virement bancaire. Donc, pas que les gens viennent dans ma banque, pourquoi les bébés noirs sont dans la banque? Donc, pas que les attaquent les bébés. Donc, il y a raison. Mais en tout cas, tu m'as vraiment fait rigoler. C'est pour ça que j'ai gardé la rigolade, le meilleur pour la fin. Mais tu m'as fait sourire quand même. Parce que le bébé noir n'a pas colère. Toi, tu m'as vraiment fait rigoler. Tu as été correct dans tout ce que tu as dit. Bon, voilà. Toi, tu défends. Oui, tu trouves que non, c'est pas normal. Bakumba bene basika, bakesa basikra beno, tout ça. La mère qui veut s'écrire.
hein, c'est au journal officiel. Donc, quiconque peut aller sur le journal officiel, Papa Singe, toi, tu as gagné 4 millions 110. Madame Yengo, Papa Yengo, a gagné 4 millions. La famille Yengo, Monsieur Yengo, a gagné 4 millions. Je suis désolé. Les enfants, Papa va avoir 4 millions. Donc, Benyos, je ne sais pas si tu as 12 enfants ou bien comment, chacun aura sa part. C'est tout. Je suis désolé, mais le truc est public. Ni Mounouvé, il y a quelqu'un qui m'a public. Donc, moi, c'est une raison de Yahoo. Je suis désolé, il suffit que les gens aillent sur le site. Il y a la République du Congo, là, comment on appelle ça, site Naniaï, il y a journal officiel, vous allez avoir accès à tous ces chiffres. Il y a KV secret, il y a Nango secrété, il y a Nango secrété. Date du 18 janvier 2024, il y a que journal officiel. Ok, qu'on a besoin de les mondes sur toi, là. Tu n'as pas besoin de t'en prendre à toi, à ton frère, Déco. Je ne sais pour rien. J'espère. Donc, moi, si on n'a qu'un bon, on n'est pas laissé, là. Il faut tchikaï. Il faut la laisser. Parce que si ta femme là, elle est avec toi seulement pour l'argent, vraiment, tchikaï. Parce que non, il faut tchikaï. Soit que ça, comme avant, on va faire ma cam, on a yébité. Bon, bananayo, mais ce sont tes enfants. Bananayo, ça va créer des problèmes ou quoi. Donc, toi, ton argent que tu gagnes, oh, mon appas, non, pèse à moi, nanayo. Ton enfant, oh, même on reste là. Hein? Tu sais, depuis, ça dit, bon, bah, histoire, vous avez yao. Parce qu'un jour, je me suis retrouvé en face du juge Yaban. À l'Obanangaï. Et voilà, le site du journal, le lien du journal officiel, Yahouya. Donc, je m'étais confronté à une situation, juge Ayibisa Kenga a posé une question, moi, à l'Obanangaï. Oh! Mais monsieur Diko, c'est votre enfant. Mais l'argent, vous travaillez, c'est pour qui? Depuis ce jour-là, j'avais compris la valeur. Ça dit que je me suis dit, mais le travail que je fais, c'est pour qui? Pour mes enfants. Depuis ce jour-là. Ce jour-là, une vue blanche, Mondele, Aïm Sakangandingoan. Donc, depuis jour 1, donc toi, tes 4 millions là, mon cher, 4 millions, oui, si tu en as 4, tu donnes 1 million par enfant, toi-même, tu restes avec 100 et quelques mille, tu travailles pour eux, vu ton âge, tu veux faire quoi avec l'argent encore? Na âge, n'a ingé, ingé, ça dit. Bon, nous, on a salé, y a pas n'ingé? Bon, mais tout ce qui est la quinte au mot, si, y a pas de problème, c'est parce que si tu en as plusieurs, tu as des problèmes. Ingé, j'ose famille, parce que j'ose la bon, il y a que mon famille. Comment si ce fait que nous sommes mal ou pas, la bonne foi, la famille qui demande à Bongo, non. Lorsque tu dis que non, on t'a exposé pourquoi? On t'a exposé parce que les bébés noirs, mais qui a créé les bébés noirs? C'est pas M. Diko. Le bébé noir, c'est le gouvernement qui va vous défendre. Lorsque tu dis ceci que non, bon, aujourd'hui, c'est pas M. Bongo, la famille qui a créé, mais ce qui a créé le système sanitaire au Congo, ce n'est pas Déco, c'est le gouvernement congolais qui impose le système sanitaire et que les gens ne peuvent pas se soigner. Il y a qu'une ordonnance, il y a un coup de passe à M. Tengo, mais vous avez 4 millions, il y a un son manganga. C'est ça, mon cher. Journal, le journal officiel, la date à 18 janvier 2024. Vous avez tout là-bas. Vous avez tout là-bas, c'est public. Il y a qu'un vétique qui met un secret. Donc, tu vois, lorsque tu parles, au contraire, les causes, il y a que le gouvernement congolais. Parce que si le gouvernement congolais donnait la santé à tout le monde, les conditions sont réunies, Kabine Bakana Vunaïna, Gembongangé, personne ne viendra te demander que soumis à l'ordonnance. Si il y a quoi dans l'hôpital, système de santé, quel est? Donc, la famille ne viendra pas t'embêter, mon cher ami. Les bébés noirs, c'est le problème sécuritaire, mais c'est le gouvernement de la République. Tu dois t'en prendre au gouvernement de la République. Pas à M. Déco, mon cher Tingo. Oh, tu es indigné. Bon, sois indigné. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, maintenant, que les macarous, les femmes, la famille, les enfants, bazaba, maintenant, surtout la femme là, qui a parlé là, elle s'est maudite elle-même. Elle va voir tout le monde, elle ne va pas comprendre. Elle ne va rien comprendre. Alors, papa, c'est sur ces mots. Elle n'a sourire, maître Manis Anayadi. Alors, Baninga, la matinale, quelle heure? Oh là là, 10 heures. Baninga, 3 heures pratiquement de matinale aujourd'hui. La matinale, c'est du lundi au vendredi, 7 heures de Paris, 7 heures, heure de Brazzaville, les amis. On se retrouve lundi dans les nouvelles aventures de la matinale. Il ne me reste plus que à vous. C'était un sketch, voilà, un sketch aujourd'hui. Mais c'était une très belle détente aujourd'hui, comme tu l'as dit, mon cher Serge Nguakamabi. C'était une très, très belle détente pour ce week-end. Je vous souhaite un excellent week-end, les amis. On se retrouve, les amis, lundi dans les nouvelles aventures. Kaka Fosso, Bet Kessala, Kabet Nyo.
dans la matinale. N'oubliez pas le rendez-vous du dimanche à 17h, heure de Paris, heure de Brazzaville. Le rendez-vous, il n'a pas panéliste le 17h dimanche pour avoir des informations croustillantes aussi. Et que l'outre à la chaîne Azana TV. Les amis, n'ayez pas peur. Que Dieu bénisse le Congo. Allez, ciao, générique. Ballon, bat gagné. Bia Bayou, on s'affiche. Non, j'ai sollicité ces sages, ces notables, pour venir faire ce que vous avez vu là tous. Papa Sassou. Ah, papa Sassou. Ah, ça n'a rien. Ah, bon, on va quitter la mairie. L'on va la mairie. Oh.